comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur Star Citizen, toujours sur la 3.12.0 version live. Je sais qu'il y a la 3.12.1 qui est PTU, mais bon, pas forcément l'intérêt à y jouer pour l'instant. On va être à la cool sur la version live. On va s'amuser un petit peu, blablater, discuter, papoter comme d'habitude, jusqu'à 20h. Et ensuite à 20h, ce sera la place du sel, et bordel du sel, il va y en avoir sur World of Warships, parce que la nouvelle méta est désastreuse, mais j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Donc salutations tout le monde, salutations Berserker, salutations Oros, salutations Pernel, salutations Overclock, salutations Jamstar, salutations Lulut, salutations Etilade, salutations Bertrand, salutations Tom Yarma, salutations Misty, salutations Greg, salutations tout le monde, salutations Nitnerolf. Installez-vous tranquillement. L'ensemble jusqu'à 23, enfin jusqu'à 20h sur Star Citizen, ensuite jusqu'à 23h sur Warship. Salutations Megan Salo également. Overclock qui dit tranquillement je digère mon The Expanse du mercredi. La même. La raison pour laquelle là j'ai commencé le stream aussi tard, c'est parce que je suis en train de finir de regarder l'épisode d'aujourd'hui. qui était un peu prévisible malheureusement hein, sur beaucoup d'aspects, mais j'en dis pas plus parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément encore vu le dernier épisode de The Expanse. Épisode d'aujourd'hui, donc on va pas en parler. Mais ouais, donc là ça va être, comme je disais là ce soir, ça va être... De toute façon la mise à jour de WoW, cela va tuer le jeu. Ah bah c'est, je vais l'expliquer, hein. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et dites-vous bien que j'ai hésité à me faire un stream full Warship ce soir, parce que bon déjà primo, il y a pas mal de replays, j'ai reçu pas mal de replays, je regardais ça même si... c'est pas pour de suite, hein, c'est pour tout à l'heure à 20h. J'ai pas mal de replays qui m'ont été envoyés depuis la dernière mise à jour. J'ai 3 replays qui m'ont été envoyés, on est d'accord. La mise à jour a eu lieu quand? Elle a eu lieu le 21, donc c'est-à-dire que j'ai plus de replays que ça, j'en ai 5 des replays. Mais très sincèrement, comment dire... J'en parlerai tout à l'heure par rapport à Warship. Bref. Je vais brancher joystick, manette de gaz, on va se lancer sur le jeu. Hop, donc je branche le joystick, le bruit USB vient de chez moi. La manette de gaz, on va faire la même chose. Sachant que les replays avant les mises à jour fonctionnent, j'ai testé aujourd'hui. Ah! Pas normal. Et c'est à son Tengu. Mais on va se focaliser sur les replays qui sont après la mise à jour. Je branche la manette de gaz, le bruit USB vient de chez moi. Et on va lancer directement le jeu. Hop. Ah, je vais peut-être mettre en vocal aussi sur un... Pas sur le bon Discord. Et salutations Horus, comment tu vas mon petit Horus? Quel est toi? Un instant, je coupe le stream. Ça marche. Bah moi, ça va tranquillement, à part que je suis en prévision du stream sur Warship. Je suis déjà déprimé en fait. Ah bah j'ai vu l'épisode aujourd'hui de WoW. J'avoue que c'est beaucoup plus distance qu'avant. Hein. C'est pire que ça. Enfin, là, à la limite, tu vois, avec le Henri IV, j'allais au contact directement parce que c'est un navire qui peut se permettre de faire ça, comme j'expliquais dans la vidéo de ce matin avec le blindage espacé et la vitesse du navire. Mais avec Lindenbourg, tu restes en fond de map, à 20 bornes du moindre adversaire, derrière une île, et tu tires, et tu tires, et tu tires, et tu bouges pas, t'avances pas. Et quand t'es avec le Yamato ou le République, tu restes à 25 bornes du moindre adversaire, derrière une île. Et tu tires, et tu tires, et tu tires, et tu bouges pas. C'est passionnant. C'est devenu passionnant cette méta sur Warship, c'est n'importe quoi. Je t'envoie une invitation. C'est bon, j'ai reçu. Donc, pour ça, on va se détendre un tout petit peu sur Star Citizen. Des conseils pour l'équipement d'un Banu Defender, surtout pour le shield, qui est sa petite faiblesse apparemment. Le Banu Defender, en fait, il a un générateur de bouclier taille 2, si j'ai pas de conneries, c'est ça? Je sais pas. On va regarder ça. Tac.
Moi, je me dis, le chiffre de base du Banu est pas dégueu. Il est pas mal, ouais. C'est juste qu'en fait, c'est une grosse cible pour son gabarit. Bah, il est classé comme étant un chasseur léger. Pour moi, c'est pas un chasseur léger, c'est un chasseur médium. Mais bon, passons. Ouais, donc le Banu Defender, en effet, c'est bien un taille 2. Le Sukhoran, et le Sukhoran est très très bon, hein, normalement, de base. Parce que le Sukhoran, hop, on regarde. Ah, il a pas de blindage en coque, je viens de ticker. Ok. Il bloque normal. 100% de dégâts physiques. Donc c'est ça l'intérêt du Sukhoran. Après, si tu veux... Non, pas en overclock. Si tu veux un autre bouclier en taille 2... Bon, en fait, non. Le Sukhoran, ça reste le must. Hein. Le Sukhoran reste le must. Il y a le rempart qui peut faire le taf, mais... Ouais, Sukhoran mieux, quoi. Sukhoran est plus intéressant. Donc le générateur de bouclier de base du Banu reste... plus intéressant. Après, le problème étant ce que j'explique à chaque fois en fait par rapport au problème de serveur, c'est qu'à cause des désynchronisations serveur, t'as beau avoir un super bouclier, les tirs passent à travers. C'est le problème. C'est ce qui fait que hier par exemple avec le Hammerhead, je sais même pas ce qui s'est passé en fait hier avec le Hammerhead. On s'est fait défoncer en 2-2 et même quand on défonçait les Hammerhead, les Hammerhead avaient encore leur shield. Et vous avez vu, hein, 3 tourelles en quadruple taille 4, le bestiau il tenait 5 secondes. Faut pas oublier aussi les tourelles balistiques en T7. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'hésite énormément à arrêter WoWs, car ça devient n'importe quoi. Et on en revient à ce qu'on disait la dernière fois, comment est-ce que tu veux qu'un nouveau joueur... puisse apprendre quoi que ce soit à l'heure actuelle. Mais alors moi le truc c'est justement ça, j'en reparlais aussi tout à la pernelle, mais je pense très sincèrement que je vais faire une pause assez massive en fait de Warship. Ça me fait chier parce que j'ai un premium qui m'a été offert qui est en train de courir actuellement sur Warship. Ça me fait chier, littéralement. Mais c'est juste pas jouable actuellement World Warships. Pour vous dire, hier j'ai fait quelques games avec Colo. La seule bonne game que j'ai faite c'était avec le Haaland. Pourquoi? Parce que la première game que j'ai faite c'était avec le Zao. Victoire en 5 minutes chrono en main, j'ai eu le temps de faire 45 000 de dégâts. Ridicule. Pour ce qui est de l'Hindenburg, bah, les alliés bougent pas. T'as les cuirassés allemands qui sont 10 km derrière toi. Donc bien entendu tu prends la max. Et le Haaland, bah... Et Yamato, alors Yamato, ça m'a fait marrer ça. J'ai avancé de 5 km par rapport à mon spawn. 5 km, hein. C'est rien. 5 km depuis le spawn en avançant. Au bout de 5 minutes, je regarde derrière moi, il y a un Thunderer allié qui est 12 km derrière moi. Alors que je suis 5 km devant le spawn. 12 km derrière moi. Et là tu te dis non mais enfin c'est pas jouable, la méta actuelle est merdique. Tout ça à cause d'un skill niveau 4, mais j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, vous inquiétez pas. Mon perso quand il mange il regagne pas la faim, la soif, c'est quoi ce bordel là? Ça je peux le confirmer, les pires des méta c'est les statiques distance. Ah mais c'est exactement ça la méta actuelle. Parce que généralement ça annule tout autour en fait. Bah c'est ça. C'est vraiment les méta statiques distance, c'est vraiment ce qui annule les autres types de jeux. Là où les méta un peu plus agressifs peuvent. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure quand on passera sur Warship parce que là. Voilà. Et ça t'a son pack. Enfin, tu vas faire quoi de tout comme ça, je sais ce que je sors ou pas. Je vais sortir l'Avenger et puis on va se faire des missions diverses et variées. Ok, bon, moi je vais sortir le Cutlass. Parce que si ça aurait été full Bounty sur le sabre, parce qu'il prend cher le Cutlass en ce moment. Bah on va se faire les bounty mais pas que, hein. on va essayer de voir s'il n'y a pas des missions intéressantes, tout ça. Genre ouais. Investigation. Vraiment aujourd'hui ça serait à la cool, hein. J'ai pas envie de me casser la tête. De toute façon j'ai pas d'objectif particulier in-game. J'ai déjà assez de crédit, j'ai 3,5 millions donc. Moi je me suis un peu remis à farmer en solo parce que bon bah ma Valkyrie ne sortira pas toute seule. Il te manque combien de crédit pour avoir ta Valkyrie?
Je continue à farmer tranquillement, c'est un peu mon objectif, et surtout vu comme bon c'est pour chasser du VT, je sais même pas si jamais il va y avoir un wipe ou pas. Donc bon. Au pire, ça m'entendrait avec. Pagbo nous Sinon, je dit, suis. Xenostrat revient et encore mieux. Et ça revient quand? C'est en PTU maintenant. Il Autant y y a eu aller. une mise à jour PTU hier Ah! soir. Et Xenostrat, donc ils refont les tests aujourd'hui parce que si c'est ça, on doit aller sur le PTU. Je crois pas qu'ils font les tests aujourd'hui, mais on sait qu'il y a eu des modifications de. Enfin, il y a eu des modifications De de comment ça Xenostrat. marche et tout. Ok. Bah, c'est avec un petit peu de chance, peut-être vendredi on pourra tester Xenostrat. Hein. On verra Avec bien. joie. Avec un Gladius de série, vu que de toute façon tu peux pas acheter d'équipement, vu que tous les stocks sont down. Hein. La porte, merci. Ouais, j'ai vu qu'il y avait la mise à Ils ont jour PTU augmenté les hier, ouais. stocks. Ils ont augmenté les stocks. Ah, enfin. Je pourrais peut-être équiper convenablement mon Gladius. Ce serait miraculeux. Ça fait partie des mises à jour. Ils ont augmenté les stocks. Ils ont aussi réduit les payes par caisse, mais augmenté le nombre de caisses que tu peux vendre. Bien ça. Je suis en train de spooler donc je t'attends. Quand on prend du Aegis, tout est normal, il n'y a rien pour eux. Bah. Non. Alors, en même temps, il n'y a rien pour eux, c'est normal. De base, c'est des vaisseaux qui suffisent à eux-mêmes donc. Tellement ils sont efficaces. Et cet Ascent Dragon. J'ai pas fait gaffe si on était dans le même quantum. Je te vois pas dans le quantum. Non plus, ouais. Alors, je pense que ça arrivera peut-être ce week-end. Ou du moins vendredi. Le Valkyrie, c'est un ship de combat? Oui, mais pas un ship de dogfight. En fait, c'est un vaisseau de transport de troupes. Pour être exact. Il serait capable de faire de l'appui-feu air-sol contre des cibles légères. Et de transporter les troupes et un véhicule. Un véhicule, pas un vaisseau. Donc, genre un Ursa, un Cyclone, une Dragonfly, genre de conneries quoi. Je suis sûr, même deux cyclones, ça rentre tranquille sans même forcer. Potentiellement, ouais, à voir. Faudra qu'on teste ça quand on aura ta Valkyrie. Oui, de toute façon, hein, ce serait surtout. Je m'entraînerai à la piloter. Si jamais, par chance, les Yetis spawnent sans qu'il y ait de wipe, bon, bah, je ferai mon petit event. Et ça, l'état sur les fosses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, faut pas oublier Cold Clams. J'ai bien vu, j'avais zappé de le prendre, tiens. Des fois, je me demande Merci pourquoi je le Maria. prends vu le. Tu sais, ça fait 500 crédits en plus par-ci par-là. Ouais, voilà. Ça consomme pas plus de temps que le reste. Hein. Alors, on peut se faire un Evict Illegal Occupant histoire de se chauffer un peu. Ah ouais. Je partage ça. J'ai quoi en équipement, moi? Ah, j'ai le scalpel. Ouais, on va y aller. J'ai la P6. Bon, on va y aller scalpel P6, c'est très bien en fait. Voilà. Parce que Et ouais, clairement, la FS9, moyen fan quoi. C'est toi qui as le lead. d'accord, très bien, je lance. Fais gaffe, t'as pas de casque. Si, si, j'ai un casque. Simplement que sur la mobile glace, c'était affiché comme quoi j'avais pas de casque, mais j'ai un casque. Ça se voit. En effet, c'est pas un tir d'Edris, c'est bel et bien un quantum. Toi, avec un T1, tu as Bon bah sauté plus voilà, loin. hein. Vu que je suis en troisième personne, j'ai pas vu que j'avais fait un Quantum Planet. Moi, j'ai la tête à l'envers, mais ça va. Bah écoute, fais la mission sans moi, hein, le temps que je respawn, que je. Voilà. Avec joie. Avec joie. Bah bravo, ouais. Et t'es beau celui-là. Bah, le truc c'est que j'étais en troisième personne et j'aurais pas dû. J'aurais dû rester en première personne pour annuler le quantum de mon côté. Sur PTU, je me suis acheté un Prowler et c'est débile la puissance des 2 T4 avec les 2 T3. Ouais.
Ouais, mais Putain, en il est même temps, le pété. Prowler, il est OP, t'as vu, c'est un vaisseau, il est méta. Alors, je rappelle, hein, les ventes de Prowler ont explosé justement parce que au moment où il est sorti, il n'était pas équilibré. Et tout le monde Ouais, je tiens. l'utilisait. Enfin voilà. Mais Je il tiens reste très pour l'avoir puissant. piloté, il est lourd. Il est lourd, mais il reste très puissant. Oui, très puissant, mais même un chasseur lourd est Plus plus maniable que manœuvrable. le Mais en même Prowler, temps, je veux dire. c'est normal, c'est pas un chasseur. Oui, oui. C'est un vaisseau de transport furtif. Oui. Transport de troupes furtif. Ah, ça fait du bien de spotter étoile aussi bon. Alors que là, qui dit, t'es obligé de faire l'accent Teletubbies Cassos. M'arrêtez, vous me faites trop. Vous êtes trop péché. C'est quoi déjà qui dit? Putain, Ça fait les longtemps que j'ai pas Cassos. regardé cet Il est épisode. tellement bien cet épisode. Arrêtez, vous me faites briller. C'est ça, vous me faites trop vriller. C'est ça. Et Wesley. Moi, comme je me spécialisais dans le pilotage de vaisseaux capitaux, c'est pas vraiment un problème qu'il soit lourd. Si tu veux un vaisseau capital qui soit lourd, je te conseille de farmer pour récupérer un 815 jump, il n'y a pas plus lourd. Mais les Cassos, depuis que c'est plus à l'assistance sociale, c'est plus marrant, quoi. Ah, il y a quand même de bons épisodes de temps à autre, mais ouais, je te rejoins un petit peu. Le Pas la Starfleur est même aussi lourd, structure. c'est vrai à toi, t'as tout à fait raison, le Starfleur est bien lourd aussi. Et après, je comprends, il y en a certains qui l'utilisent pour le Xenosret. Bah, il est bien résistant, donc tu peux te permettre de l'utiliser, hein. Et la soute est assez grande, donc tu peux te permettre de transporter pas mal de caisses. Moi, je pense qu'un Cutlass, ça devrait mieux marcher. Bah, T'as qui pas a une assez certaine taille. de fret pour tout transporter. Alors, pack le 890 in-game, il a 32 millions. Salutations. Bon allez, deuxième essai. Elle est T5 aussi le Staffer, je crois. C'est pas la T4? Articulé. Bah, tu mets le doute. Hercule. En tout cas, je confirme un truc, rentrer les caisses avec le multitool, c'est super agréable. C'est où Misk? C'est là Misk, Starfarer. C'est bien ça, c'est les tailles 4 qu'il a. C'est les tailles 4. Il a 4 T4 le Starfarer. Ce qui, comparé à sa taille, est vraiment ridicule. 4 T4 à l'avant et 2 T5 à la tourelle du haut. Bon, voilà. Et cet assaut libre. Mais oui, c'est en fait l'Ixiliad, il a les C788 qui sont des obus HE, hein, qui balancent des obus HE. Je me disais pourquoi il n'y avait pas de. J'avais pas mon casque, il l'avait enlevé ce con. Bah écoute, je suis en train d'arriver au final donc. T'as fait le ménage au niveau des toiles ou pas? Non. De Donc toute façon, tu tu te peux te poses à poser à côté? côté de mon cutlass. Ok, bah j'arrive alors. T'es à 700 mètres du bunker, t'es tranquille, en plus t'es bien planqué. Je veux dire, il y a un gros caillou, tu peux pas le rater. Salutations useful. J'arrive, hein, je suis en Quantum vers Hobart. Du coup, j'ai craqué pour un Vanguard. C'est pas mal le Vanguard, Olive. C'est pas mal du tout. Question sur ton loadout de Gladius, tu as un shield différent, palissade et FR66, pourquoi? Parce que le palissade a un très très bon pool de points de vie, mais il se recharge très lentement. Le FR66 a un pool de points de vie qui est correct, mais se recharge rapidement. Donc, en faisant un mix palissade et FR66, tu te retrouves avec des boucliers qui ont un pool de points de vie qui est très bon, pas le meilleur mais très bon, et un rechargement qui est très bon également, pas le meilleur mais très bon. Voilà. C'est.
l'instant, j'ai du mal à le prendre en main. Ah, il est un peu lourd, hein, le Vanguard. C'est sûr, quand t'as l'habitude des vaisseaux, genre Avenger, ou Gladius, ou Arrow, ou genre de choses, passer sur un Vanguard, tu fais, ouais, il est un petit peu lourd. Après, comme je disais, actuellement, le Vanguard, il souffre énormément de ses problèmes de D5 qu'il y a sur les serveurs. Et donc, il est très, très, très fragile. Parce que les boucliers ne servent à rien, en fait. Étoiles t'ont spoté. Je vois ça. Ah, je te vois. Je vais tester un truc. Ou je vais m'éloigner un petit peu. J'ai l'impression qu'elles disparaissent avant de toucher un cible. J'ai l'impression aussi. Non, elle tape le sol. C'est bien ce que c'est bien ce que j'avais compris. Ça, en fait, ça touche la base et résultat, c'est tout pourri. Non, là, de ce que j'ai vu, ça touchait pas la base, ça touchait bien le beau sol. C'est vraiment... la base est vraiment trop basse, donc... En fait, il faudrait que je sois vraiment à la verticale pour que ça marche, quoi. C'est ça. Allez, joué mon aura. Ah, ça, j'ai bien remarqué, je ne subissais pas autant de dessins qu'avec le Nomade. Mais ça, c'est vraiment le problème de cette version, quoi. La 3.12 niveau D5, c'est l'enfer. Et salutations, donc, Useful qui est arrivé. Et ça marche, je t'ai dit, on le fait de suite. Mais ouais, c'est... Après, donc par rapport au bouclier de Resnevi, hein, c'est... moi j'ai fait ça comme ça, mais c'est pas... Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est méta, et je m'en fous. Jusque là, ça marche plutôt bien. Bon. Bah, étant donné qu'on n'a pas d'autres spécifications... Enfin, spécialisation des boucliers, bah... En attendant, c'est l'un des meilleurs qu'on a pour le moment. Oui, c'est vrai. Après, il y a des personnes qui préféreront avoir un double FR66 pour avoir vraiment une bonne régénération. Et quitte à sacrifier un peu plus de points de vie. L'offre anticipée, je connais pas cette mission. C'est qui m'envoie. En fait, l'intérêt du combo palissade FR66, c'était à l'époque où il y avait les missions de Remove Clan Jumper. C'est ce que les tourelles faisaient 14 000 de dégâts quand elles te touchaient. Et avec le combo palissade FR66, t'as un peu plus de 14 000 points de vie de bouclier. En réalité, tu pouvais te permettre de prendre un tir. Et donc, les boucliers tombaient à pratiquement rien. Ils étaient pas totalement vides. Résultat, derrière, t'avais le temps de rechargement rapide qui se déclenchait plutôt que le temps de rechargement à vide qui commençait. Donc, c'était plus rapide. Et ça te permettait d'éviter de mourir en one shot. Parce que généralement, tu faisais ce genre de mission avec un vaisseau de série. Tu te prenais un tir, c'était au revoir le vaisseau. Et ça t'assure, Seb. Après, Vresnevi, c'est un combo qui fonctionne bien pour les boucliers. Hors des 5, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand tu regardes par exemple par rapport à mon sabre. J'ai mis 2 FR66 et un palissade. Parce qu'il a 3 générateurs de boucliers. Donc le palissade pour le pool de points de vie. Et les 2 FR66 pour la vitesse de rechargement. Le combo double palissade et 1 FR66 fonctionne également. Là tu favorises le pool de points de vie plutôt que le rechargement. Ah, ça t'assomme au con. En vrai, le nouveau patch PTU est beaucoup moins pire que le précédent. Là j'ai pu sortir de l'Atmo sans avoir de 30k et faire Xenosret en entier. Il a plutôt bien marché, bon par contre c'était à 18 fps mais sinon c'est sympa. Putain, il est beau le javelin. Ah, c'est à dire qu'il y a Xenotrade qui est dispo là, chat gentil. C'est ça qu'on me dit. C'est ça que tu me dis. Coucou Horus. Coucou. Dans le PTU. Et donc il y a Xenotrade qui est sur le PTU. Bah dans ce cas on va se le faire, on va essayer de se le fumer. Moi je l'ai pas téléchargé le Xenotrade, enfin le PTU. Ça va faire au moins 5 jours
Et non, il avait été arrêté. Il avait été Ah. arrêté. Ah bon, bah voilà. On a mis ce Nice. truc déconne. Et bon, on se casse. Xenosret, je rappelle qu'il était arrêté dimanche. Seiji l'a arrêté dimanche. C'est gentil, Xenosret. Bon, En est-ce même que temps, ils vont pas laisser quelqu'un. un event permanent. C'est ça. Est-ce que quelqu'un en chat peut me confirmer que Xenosret est bien disponible actuellement sur le PTU? Parce que je sais qu'il y a un PTU, une mise à jour qui a été faite hier soir, merci. Mais j'ai besoin de savoir si Xenosret a été activé pour qu'on le teste aujourd'hui ou pas. Je l'ai fait ce matin, donc oui. Ok. Bah écoute. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller, je vais faire la mise à jour PTU, et puis Oh, je dois faire let's de go. même, moi. Il était disponible hier. Bon bah on va tester Xenosret. Ça va être marrant. Bon, par contre, je vais sortir le Gladius. Donc Relta, c'est pas moi qui vais faire du transport. Donc Rose, je pense que tu vas devoir t'y coller. Bah oui, j'ai le seul vaisseau pour. Puis je vais essayer de te couvrir. Normalement, le transport c'est sur les Starfarer écrasés. Après, j'ai compris. Avec des Par contre, pierres je sais dedans. pas si je vais avoir de l'équipement dessus sur le jeu, sur le PTU. Je pense pas que je vais avoir de l'équipement. Oh, moi, je crois qu'il va être de serré avec des quadruples T2, donc ça. On va juste attendre que la mission spawn, elle est pas là H24, d'accord. La mission est disponible. Ok, et bah écoutez, on va tester ça. Cactus qui m'a arrêté net dans ma course. Essaie de te courir, ça va, tu le sens pas trop mal, Horos? Bah, en vaisseau, non, en FPS, un peu plus. Ouais, voilà. Bah, chat gentil, bah, faut venir sur le vocal pour ça. Et comme je dis à chaque fois, par contre, pour le vocal, faut être sub et malheureusement, je fais pas l'exception. Parce que si je fais une exception, c'est la porte ouverte à toutes les exceptions. Et cette façon, etc. Je viens de leur patch note PTU, ils ont app le nombre de ships à décalquer pour faire retreat l'Idris. Ils ont down la vitesse de retraite pour faire moins des spawns. Réduit le nombre de supplies. Bon. Je veux dire que ça va être intéressant quand même comme truc. Attention par contre, car moi, je pense qu'il y avait des joueurs pirates quand j'ai testé, car après m'être fait détruire, ils me demandent si je voulais signaler le crime qui a été commis sur ma personne. Sans surprise. En même temps, les joueurs pirates ne peuvent plus participer à l'event parce qu'ils pouvaient avoir. Ils ont aussi désactivé la mission pour les pirates, donc attention au Friendly Fire. Oui, mais ça, c'est pas dramatique, ça. Faut y aller pour avoir le Friendly Fire. Pas pour Merci, Mister A, pour le don, 5 abonnements, merci beaucoup. Ça commence. J'ai déjà fait quelques tirs perdus, ça va, c'est tu chopes pas. Tu chopes pas. C'est pas comme dans Skyrim où tu chopes une prime alors que t'as fait une flèche perdue dans ton pote. Merci Mister Allah, enfin l'abonnement à chat gentil, putain. 6 abonnements d'un coup, merci beaucoup. Moi je commence à se spouler sur HUL. Hein. Moi j'ai déjà sauté. Mais D'accord. moi je t'ai pas attendu, j'ai fait Vas-y. mon gros sagouin. Oh t'as raison, je suis un peu lent. T'as un taille 2 donc ça va être rapidement. Oui, non, mais, bah, je parle pour sortir de l'atmosphère. Oui, c'est vrai. Oh,
Moi, je te rassure, je suis gentil une fois, je pouvais pas m'abonner parce que j'ai eu un problème PayPal, pas un problème d'argent, enfin, juste un problème de compte PayPal à la con. Mais les 2 mois où je pouvais pas m'abonner, bah, on les a offerts. Un saut quantum pour sortir l'atmosphère. Ouais, mais ça, en fait, dites-vous bien qu'au tout début de la 3.3, etc., le saut quantique en atmosphère, c'était juste pas possible. C'était bien cette période. Eros, sur ta gauche. Ah. Après, quand même, faut monter un petit peu, hein. C'est pas. Alexa qui dit, il faudrait quand même que je fasse un véritable sub. J'aurais un peu honte d'avoir atteint le badge des 1 an via Subgift. Ça prouve bien que la communauté est vraiment top, hein, pour le coup. Surtout alors, Olive, le truc surtout c'est à l'époque, il n'y avait pas possibilité de faire un quantum vers une destination. Si tu faisais un quantum vers un OM et à partir de là, tu volais jusqu'au sol. C'était la bonne époque. Non, moi j'aimerais bien quand même que les quantum courbes mettent. Enfin, fassent spawn pas à 20 km mais allez à 40 on va dire. Bah, même qui te fasse arriver hors atmosphère, quoi. C'est ça. Qu'on profite. On profite des magnifiques effets qui ont été mis à jour d'entre atmosphériques. Surtout qu'on n'arrête pas de nous. Enfin, que CG avait dit, faut faire gaffe comment vous rentrez en atmosphère. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore ça. Encore prévu, mais bon, ils commencent. Enfin, ils mettent les outils pour que ça soit dans le futur. Donc cette essence par quelle? Pourquoi tu aimes tant ton Avenger Titan? Parce que c'est un vaisseau qui est simple d'utilisation, qui est efficace, accessible. Et en même temps c'est un vaisseau que beaucoup de personnes ont et donc ça permet de montrer de quoi il est capable. Et je trouve qu'il est élégant en plus. Hop, c'est bon. Bon, je suis posé. Direction. Le bureau. Hop. PTU. Update. Bon, je vais perdre quelques images, je vous rassure, c'est normal. Ça vient de moi. Perte d'images, je télécharge la mise à jour. 2 secondes, moi j'ai copié-collé mon... Là, il y a quelques pertes d'images, ça vient de chez moi, je vous rassure, ça vient pas de vous, c'est moi qui fais la mise à jour. Voilà, la mise à jour est faite, c'est bon. J'ai perdu 600 images, c'est environ 10 secondes d'images, c'est terrible. Il est parfait pour sa taille, sauf son cockpit immonde dans notre âge. Alors, Jira, c'est une question de point de vue. Personnellement, le cockpit, je le trouve pas immonde. Enfin, le tableau de bord, je le trouve pas immonde. Il est vieux, je suis d'accord, mais en même temps, c'est un bestiau qui a 200 piges. Ça va. Gardez ça en tête, quoi. Alors, l'industrie spatiale de Robert. Rotalator elle-même. Mais on sait que le Rotalator, pour le coup, ça va être modifié. Alors, par contre, il va falloir que je t'ajoute. Bon, faut d'abord que je finisse de copier mon compte. T'as pas fini de copier ton compte. Ah bah non. Heureuse Darn, je t'envoie une demande d'ami sur le PTU, tu l'accepteras quand tu seras connecté. Question existentielle. Si on utilise le tracteur bien ou un EVA pour lancer un assaut sur un Avenger, peut-on appeler ça Attack on Titan? Évidemment, Quincy, hein. Salut au passage. Ça peut être que Quincy qui fait ça, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu ici. Ouais, oui, c'est Quincy, c'est bien ça. Oui. C'est de la nulle, mais au moins un minimum recherché.
Alors je me connecte rapidos au jeu, ça pour essayer d'équiper convenablement mon Valiant, parce que je vais y aller avec le Valiant, hein, pas déconner non plus. Vas-y. On aura des générateurs de boucliers qui sont corrects, générateurs d'énergie corrects également. Merci Mister Alain, enfin l'abonnement, merci beaucoup. Dans quelques temps, on devra rentrer dans les planètes avec un angle pas trop important, je pense que tu voulais dire, et pas trop vite, sinon on abîmera les vaisseaux. C'est vrai. Par contre, j'ai eu du mal à te... Ah putain, je me suis posé sur Mickaël, hein, chiotte. J'ai eu du mal à te lire, pour le coup, Alexidias. Mike Benny, tu offres 16 abonnements, putain. Bon, voilà, hein, ça c'est fait. Résultat, ça veut dire qu'on a pété le sub-goal. Merci, Pac. Merci beaucoup. Résultat, j'ai perdu le fil de ce que je voulais faire. Ah oui, c'est vrai. Récupérer le Gladius Valiant, retourner sur Microtech et essayer de l'équiper. C'est un sub-goal validé, ouais. Alors, c'est-à-dire que le prochain sub-goal est à 300, hein. Voilà. Et ça t'a sur Wafistos. Lui aussi il aime les controns. Ah bah là oui, là pour le coup on sera à 250, là il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'ai une question avant d'essayer de faire spawner mon vaisseau. Est-ce qu'à la galerie il n'y a pas moyen d'acheter des armures et armes? Microtech, je sais pas. Non là je suis pas encore à Microtech, je suis à Mickaël. Enfin, Mickaël. Microtech quand même, c'est ouais. Ça coûte. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant niveau équipement FPS, Microtech et ses alentours, si je me souviens bien. Alors on va voir ça, hein. Ici en tout cas, que dalle. Il y a des fringues civiles, c'est cool. Il y a des armures, c'est déjà ça. Ah bah c'est déjà ça. C'est d'avoir le bon goût de leurs armes. Ouais, c'est une 20%, on va prendre ça. On va se prendre la... Field Recon Suit, c'est du 20%. Ce sera pas ma tenue classique, mais au moins je fais vraiment la base quoi. Et Tilahead, mais combien d'abonnements? C'est 10 abonnements? Putain mais les gars! T'as exactement chez toi? Exactement, c'est mon alerte sub Twitch. Mais merci les gars! Merci beaucoup! Train de life niveau 5 déjà, 190%. Normal, tout va bien. Commence bien, quel début, niveau 5. Voilà, c'est ça. Merci. Je sais pas quoi dire. Merci. Ouais, par contre, j'ai pas d'arme. Les Pernel qui offre 5 abonnements en plus. Les gars, on va peut-être se calmer un petit peu, non?
Bon, peut-être se calmer un tout petit peu sur les subs, non? Enfin, merci beaucoup, hein, mais là, le stream a commencé depuis 40 minutes. Histoire que tu remets 5 appels loin. 70% de la copie déjà. Ok. Ah, il y a des armes, trop bien. Ah, il y a des armes. Hi, thanks for coming in. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est à son Tipilo. Lixivias qui offre un abonnement en plus, merci beaucoup. Et Lixivias qui offre 100 cheers. Les gars, il... On va prendre la FS9, tiens. Bref. Bien ça. Good purchase. Je sais pas quoi dire là, les gars, merci beaucoup. Vous assurez. Mais vous mettez dans le mal. Après, je tiens à dire que si jamais ils assurent, c'est parce que tu assures. C'est gentil. Alors, dites-moi quel est le compensateur ici. Compensateur sur la FS9, ça veut dire pas de mal. Il y a les compensateurs T2. Très bien. C'est parfait. C'est du T2. Moi, je sais où équiper une FS9. J'aurais pas de pointeur laser, mais c'est pas grave. Medpen, on va s'en prendre quand même quelques-uns. Ah, ça fait du bien de pas juste voir deux Medpen et hop, on en a plus. En effet, c'est rassurant. J'ai dit, c'était dans le patch note où ils ont remonté les stocks. Voilà, je peux rien dire, il y a Xelomorph qui gueule. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Philippe, donc on fait en sorte d'entendre sa voix magnifique. Ouais. Et là, merci beaucoup, mais enfin, je sais pas quoi dire en fait. J'ai une petite question pour toi, vu qu'ils veulent implémenter une centaine de systèmes. La durée, selon toi, de la mise en place de tout ça? Ça dépendra de beaucoup d'éléments, notamment de l'efficacité qu'ils auront à mettre en place les assets. Et surtout, leur capacité à créer les gameplays et les points d'intérêt en fait sur ces zones. Mister A, 20 abonnements d'un coup. Moi, je voudrais juste répondre. La vidéo de Dayum parle bien de ce sujet, je trouve. Voilà. Et il fait une expectation, enfin, tu es plus positif ou plus négatif. Ouais, il dit entre 8 et 12 ans, ce qui est pas décollant. Je crois. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'estimation que j'avais retenue. Oui, je crois que c'est ça, entre 8 et 12 ans. 8 plus positivement et. Merci à Rada pour le follow. Alors, par contre, enfin, alors, c'est très touchant tout ça. Je vous dis qu'il offre des abonnements en plus. Et alors, m'envoyez pas, hein, parce que là, ça devient inaudible. Je vais devoir couper le bot et le relancer. Bougez pas, hein. C'est, excusez-moi. Le bot est mort. Est-ce que je peux mettre pause? Ouais, j'ai pu mettre en pause. Excusez-moi. Non, j'aurais pas dû faire un... Là, Est-ce que c'est bon? Le bot, stop. Et si je refais lecture? Bon, je pense qu'il faut que je coupe le bot et que je le relance en fait. Sinon ça, on va pas s'en sortir. C'est bon? C'est bon? Non, c'est pas bon. Bon bah on est cantonné, écoutez le Xenomorph gueuler. C'est bon, je fais la mise à jour. Je vais peut-être robotiser. Ah si, ça y est. Je crois que le bot a compris que stop. Excusez-moi, c'est juste que là, il y avait trop de subs. Merci, les gars, vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Vous me faites peur, vous parlez de 8 à 12 ans. Pourquoi? Pour la création et l'implémentation de tous les systèmes stellaires de Star Citizen. En théorie. Sachant que c'est une estimation qui est totalement personnelle.
Gardez ça en tête. LOL 299, ouais. Et 299 sur 300 subs. Oui, mais alors, il n'y a pas besoin de plus, c'est bon. On verra une release avant. Oui, tout à fait, il y aura une release avant. Je rappelle que le jeu sera sorti. CIG avait estimé qu'il y aurait une dizaine de systèmes stellaires qui seraient disponibles. Quand je dis sorti, ça veut dire que tous les gameplays seraient intégrés, que le jeu se... enfin, que tout sera déjà prêt, en fait. Les technologies, etc. Merci Pernel d'avoir fait un abonnement en plus, merci beaucoup. Bon bah voilà, on a passé les 300 subs, c'est génial. Maintenant faut que je mette le sub compte à 350. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup les gars. Vous assurez. Mais c'est assez déjà. Bon bah voilà. Voilà voilà. Le 50% de la mage. Ça marche, moi je décolle de Mickey 1 et je vais aller sur Microtech directement pour essayer de... d'équiper convenablement mon vaisseau. En théorie, moi aussi je serai sur Microtech. Hop. Je sais plus... Merci Adrian pour le don de 10 subs, merci beaucoup. Vous êtes au courant que le hype train là il est terminé hein. Merci beaucoup les gars. Je sais plus où me mettre. Dans ton Avenger. Là en l'occurrence c'est Gladius. Ah oui. Parce que je viens de me lancer. Oula. Ça fait 30 secondes les gars. Parce que mine de rien, il y a des messages quand même qu'il faut que je lise. Perso, je vais me lancer. J'ai d'ailleurs beaucoup regardé tes vidéos sur YouTube avant de me décider. Du coup, merci à toi pour ton taf et encore, j'insiste, merci à la commu et Derko pour son subgift. Enfin, avec plaisir. Mais il faut pas hésiter à poser des questions. Hein. C'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur le fait, notamment sur la dernière vidéo que j'avais faite sur les assurances à LTI. À chaque fois que j'ai la possibilité, j'insiste sur le fait que chaque heure où vous mettez dans le projet, c'est un pari sur le long terme. Et un pari, ça se gagne et ça se perd. Sous-entendu, on n'a aucune garantie que le jeu final corresponde à ce qui a été annoncé. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver et on ne sait même pas si le jeu final arrivera un jour. Dans quel état? Ouais. Mais ça, par rapport à ça, je vais paraphraser ce que disait le joueur du grenier, c'est que Star Citizen sera soit le jeu de la décennie, si c'était même plus que ça, soit le flop de la décennie. Et merci au frame pour le follow. Merci beaucoup. Le bruit des subs est vraiment fort, c'est insupportable. Pourtant j'avais aimé c'est le bruit des subs. Encore le baisser. Ça me dérange pas. Tac. Où est-ce que c'est que je peux régler ça? Ah oui, j'aurais pu faire juste ça en fait. Je bête pour les alerts sub. Tac tac tac, c'est pas c'est pour ça. Je viens de fermer le bot des subs. Un boulet. C'est bon, je suis en train de me connecter sur ton serveur. Ça marche. Juste 30 secondes, j'ai fait de la merde. Et je suis en direction de Nubobage. Excusez-moi, j'ai fait... Je me suis planté sur un truc. Résultat... Tac. J'ai déconnecté mon bot en fait. C'est déconnecté. Ah oh, non. Ça c'est PTSD pour toutes les personnes qui ont joué à ce jeu quoi.
Et dire c'est juste dans le premier niveau. Ouais. Oh non, c'est pas que dans le premier niveau. Mais là où tu l'entends le plus, c'est surtout dans le premier niveau. C'est vrai. Tu savais pas ce qu'il fallait faire. Tac. Voilà. Excusez-moi. Donc nous disions New Babbage. Je vais pas sauter directement sur New Babbage. C'est bizarre New Babbage, on dirait leur ville. C'est Sarah qui dit imaginez la veuve de Star Citizen, la nouvelle Babbage. Ouais. Ça c'est si jamais ils me mettent en, en tant que traducteur ça. Pas capable de le faire. Et c'était ça Dan Fox. Donc ouais, je vais modifier le son du bot, bougez pas. Mélangeur de volume. Ah, je l'ai pas ici. Ah mais putain, je suis con, c'est sur le site directement qu'il faut que je modifie ça. Ah, je ferai ça plus tard. Et c'est à son coyote. Ça, c'est la version canadienne de Star Citizen en français, ça ne devrait pas être traduit. On en parle de des traductions foireuses de titres en France, genre Very Bad Trip. Non, c'est parce que ça marche bien en fait. Là, c'est des noms. Oui, ça fonctionne bien. C'est mais des bon. Noms racoleurs. Alors, Quincy, je sais pas si c'est une connerie ce que tu dis, donc je vais pas forcément lire haute voix. Bon, on veut pas. En traduction française, de toute façon, les gars, vous pouvez pas faire pire que la traduction de RSI. L'industrie spatiale de Robert. Ça vend du rêve. Ah oh bah oui. Bref, excusez-moi. Là. C'est pas pire que quand dans 60 secondes chrono ils traduisent Bad Boys par mauvais garçon en canadien ou alors qu'ils t'envoient un vilain polisson. Putain. Traduction foireuse quoi. Il y a certaines parties du Canada qui sont très à cheval sur la langue française à tel point qu'il n'y a pas de mot anglais, ça n'existe pas. Et c'est le Québec de façon générale. Hein. L'égide vengeuse traqueuse. Ouais, j'avoue, l'Aegis Avenger Stalker, c'est ça. C'est moche, hein, dit comme ça. Et Algaris. Pourquoi j'ai un Gladius? Bah je sais pas. Wouf. Peut-être que c'est prêté pour l'event. La question est l'exemple de taille, combien le javelin sur ces grosses tourelles? Je sais plus si c'est les tailles 7 ou c'est carrément du T10 qu'il a. Non. C'est au moins du T7. Au moins. Après Edgy c'est pas du latin? Si ouais.
Mais ça veut dire égide. Je vais stocker le Gladius, comme ça je pourrais le modifier. Très bien. Le fiable Tana, la chenille, le frelon, j'avoue. Le Hornet pour le frelon, le Caterpillar pour la chenille, et fiable pour Reliant, j'avoue. C'est moche quand même. Je pense que pour la version française, il ne devrait pas changer les noms, car j'avoue que l'industrie spatiale de Robert, ça fait presque penser à Robert le routier. C'est ça qui est marrant. Mais c'est pour ça, enfin, on est d'accord. Hein. Dans tous les cas, je pense, enfin, la traduction de nom propre, tout ça, de nom... Nom commun, je veux bien. Nom propre, pour le coup, ça, c'est vraiment très très con d'essayer de les traduire. Et par rapport à Star Citizen Squadron 42, je pense sincèrement qu'on aura une traduction en sous-titre, mais pas une VF en mode doublage. Je peux rentrer dans le tram, s'il vous plaît? De toute façon, si vous voulez une bonne traduction bien foireuse à la française, enclume aérospatiale. Oui, voilà. Je fais un retour au menu parce que les trams marchent pas. T'étais sur le même serveur que moi ou pas? Oui, mais t'inquiète, je vais sauter sur Nubabage. D'accord. Règle numéro 1, ne traduit pas les noms propres. Ouais, sinon ça donne des trucs aussi cons que la femme chat. Or Catwoman. Ouf. Et je vous jure que le film avec Alberi, c'est au Québec, s'appelle La femme chat. Ah, Blizzard l'a un peu fait avec Overwatch, hein. Ah ouais? Bah oui, Widow. Entre Widowmaker et tout. Bah Widowmaker, Tal. Pour le coup, elle est pas traduite, ça reste Widowmaker. Non, c'est pas la faiseuse de veuve. Ah oui, oui. Salutations, Salmeg, et merci pour le follow. Reaper Faucheur. Ouais, mais ça, à la limite, ça c'est cohérent, voilà. Tu vois. Ça passe, mais bon. Alors, il ferme, on veut pas, je vais pas forcément lire haute voix ce que tu viens de marquer. Par contre, ça fait bizarre de retrouver son vieux Cutlass Black. Bien noir, pas blanc et doré. Ah, t'as pas le skin sur le PTU? Si, je dois l'avoir, juste que j'ai pas pensé à le mettre. Oh. Et j'ai aussi t'as pas les réacteurs bling-bling, c'est dommage. Non. Bon, mine de rien, pour l'instant, l'Event Xenothreat, c'est pas encore ça. Hein. Pas encore réussi à me lancer dedans. Hein. Compliqué. Et c'est Tessa Matfante. Mec, c'est le fou. Traduction dans les jeux peuvent être originales. Nom d'une ville, Neverwinter. Pas diverse. Pas divers. Ouais, mais là pour. Pas d'hiver, oui, plutôt. C'est vrai que c'est... Bah, à la limite, tu vois, quand tu regardes en Pokémon, par exemple, Palette Town, Bourg Palette, c'est cohérent. Je me rappelle, j'avais une de mes ex qui était au Québec. Et au Québec, en fait, ils traduisent pas certains jeux vidéo. Et notamment, certains noms propres, notamment pour Pokémon, ils traduisent pas les noms des Pokémon. Donc quand tu regardes la version québécoise de Pokémon, c'est Blaziking et à la place de Brasgali, tu vois. Alors que les noms français, ils sont assez recherchés pour Pokémon, par exemple. Et il y avait, je sais plus quel jeu Pokémon qui était sorti à cette époque-là. Elle est allée dans un magasin pour l'acheter. Elle voit version française, le truc qui, normalement t'as jamais ça au Québec, ça existe pas les versions françaises au Québec. Et donc, elle passe à la caisse avec le jeu Pokémon version française,
Et là, il y a le vendeur qui dit là, vous avez pris la version française, vous voulez pas plutôt la version québécoise? Ben non, non. Mais vous êtes au courant que les noms sont en français, sont traduits en français et pas en version originale? Ouais, ouais, je sais. C'est pour ça que je le prends d'ailleurs. Ah, bref. Passons. Donc, ouais, il y a pas mal de personnes qui sont. Les traductions, vraiment, des fois. Casse-gueule. Étoile lointaine, trouve-moi ce vaisseau. Starfarer. Starfarer. Ah, Starfarer. Ah, ouais. Koji, est-ce que t'as rejoint le même serveur ou t'en as pris un autre? Je sais pas. D'accord. Bah, on va regarder, hein, est-ce que t'es là ou pas. Oui, voilà. Y a un mec qui s'appelle Boomers. Ok, Boomers. Je veux pas. Excusez-moi. Boomers. Moi, c'est le mec qui est en tout début, tout en haut de la. Non, on n'est pas sur le même serveur. Ah, d'accord. Je vois Pouzer, je vois Chris. Chris Roberts? Non, juste Chris. Mais je te vois dans les members du truc. Or. Underscore Sego underscore XX. Or. C'est vrai de la Sasuke quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est par là, je crois. Oui, c'est par là. Xenothreat, les mecs. Il y a une vidéo de Xenothreat qui est diffusée directement dans Microtech à New Babbage. Non, je crois qu'ils ont hacké le système de télévision, je crois. Il y a pas quelqu'un qui... Non. Ça choque personne en fait qu'il y ait des pirates qui s'adressent à la population. Tout va bien. Ils piratent les écrans? Ouais. Ouais, c'est ça va. Putain, c'est diffusé. Ouais, c'est même normal, putain, c'est diffusé ici. Ah, ça rend bien. C'est diffusé en grand ici et ça perturbe personne. Un jour comme un autre sur Stanton, quoi. Ça perturbe personne. Il y a les pirates qui sont en train de diffuser une émission en plein milieu de Microtech, en plein milieu de New Babbage, au niveau de la... de tout ce qui est magasin. Ils s'en foutent complet, les gens. Ok, hein, bon bah... essentiel, c'est que ça gêne personne, hein. Petite déclaration de guerre sans pression. Sans aucune pression, en effet. C'est à son cauchemar. Il me faudrait 341. Il m'en faut au moins deux. Voilà. Il faudrait que je me rachète au moins deux panthères parce que je les ai mis. J'ai enlevé les panthères de ma tourelle pour les mettre sur mon tir principal. Et les task force, il m'en faut 16. Ça passe. Je vais m'acheter les 16 task force qu'il me fallait. Et maintenant, on va acheter tout ce qui est générateur de bouclier, générateur d'énergie, refroidisseur. Il m'en restera plus que le moteur de saut, mais le moteur de saut, j'ai pris l'expédition qui est celui de l'Avenger Stalker. Non, j'ai pris celui du Hurricane. L'Avenger Stalker, je vais s'équiper. J'avoue que les gens, c'est normal pour eux. Je veux dire, autour de Microtech et Hardcore, par un 890 jump se fait braquer toutes les 10 minutes. Tu marques un point. Alors, nous disions, système, refroidisseur, c'était les glaciers que je prenais, il m'en faut deux. Des gauchos.
Power plant, il me faut le GS300. J'en ai besoin que d'un seul. Et FR66 d'un côté, palissade de l'autre. Et allez putain de Louya, mon Gladius est prêt pour le combat. Mais c'est quoi tout cet amour pour les attritions en ce moment? Alors qu'elles sont pas exceptionnelles hein. Ouais, tu comprends, celles qui font plus gros DPS, elles sont trop puissantes. Bon, la dernière fois que j'ai craché mon vaisseau sur les PNJ en entrant dans le hangar, le jeu m'a écrit sur l'écran en rouge qu'il était interdit de faire des mauvaises actions dans la zone. Ça fonctionne plutôt bien alors dans ce cas. Donc, glacier. Glacier. JS300. FR66. Palissade. 341, j'avais déjà les 341, c'est pas grave. Task force. Bon alors question, est-ce qu'il faut une réputation particulière pour avoir accès aux Xenothreats ou pas? C'est le cas, je l'ai dans l'os parce que j'ai pas de réputation sur le PTU. Alors, Abstract, elles sont pas très fortes, elles sont situationnelles. Elles font zéro dommage à longue portée. Je sais, je les utilise. Faut vraiment que c'est une arme situationnelle, c'était pas que les... Là où les panthères sont vraiment plus polyvalents et peuvent faire un DPS moyen, mieux foutu et surtout tenir moins en danger. Et donc salutations Barbara, et ça marche, donc vendredi 14h30, visite, c'est noté. C'est l'appartement qu'on avait vu, qu'on a mis de réserve ou pas? Ou c'en a un autre? Et bah voilà, mon Gladius est full équipe. Bah c'est celui-là, nickel. J'espère que ça va bien se passer. Avec le Haro, elles sont excellentes. Tu exploses un Vanguard au corps à corps en 15 secondes. Oui, au corps à corps. Après le truc c'est, oui. Moi personnellement, en 15 secondes, je te défonce un Vanguard à 1,5 km avec des 337. Surtout que bon bah les Vanguards, franchement, ils sont vraiment mal équipés, ce désir. Clairement. Et deuxièmement, avec un Haro, il est super maniable. Contre un Vanguard, un gros vaisseau. Un peu normal. Et je rejoins totalement Horus sur le fait que les attritions sont des armes très situationnelles parce qu'il faut être avec un vaisseau plus manœuvrable que ta cible pour pouvoir rester à courte portée. Franchement, pour les utiliser sur mon Hornet, c'est chaud hein. Bon après les dessins... D'ailleurs petite précision, il semblerait que les IA aient moins... volent moins tête des skateboards. Capsule en ce moment. Par contre tu la gouilles un petit peu. Ah. Et cette attention je l'ai pas. Seulement pour te dire que je trouve que les S3 Tiger Strike sont meilleurs. Les Mantis. Je prends le popcorn et j'attends. Alors les Tiger Strike, je crois que t'as une moins grosse cadence de tir, mais un des dégâts par impact qui sont plus intéressants. Donc oui, les Tiger Strike sont pas mal. Après, Mantis, ça reste justement, c'est le truc plus polyvalent quoi. C'est ce que j'explique à chaque fois, moi j'aime bien la polyvalence, donc je préfère les Mantis. Et aussi, je tiens à rappeler une chose par rapport aux attritions, c'est que tu perds pratiquement un de dommages par mètre après 300 mètres. C'est dur. Les Tiger Strike chauffent moins que les Mantis. Moi je teste à la limite les Tiger Strike, parce qu'à la base je rappelle que la T21 Tiger Strike c'était l'arme qui était sous le nez de l'Avenger. D'origine. Bon. Est-ce qu'on a une réputation, est-ce qu'on a une mission mercenariat? Déjà je sais même pas si je suis dans le bon serveur, dans le même serveur que toi. Pas faux. Euh,
Les intentions sont vraiment fortes à bout portant, mais sinon autant prendre un canon si c'est pour sniper. Bah c'est ce que j'explique en fait, God of Chaos, c'est que moi je préfère les CF-337 par exemple, aux attritions taille 3, parce que t'as plus de flexibilité en termes d'engagement. Tu peux commencer à engager ta cible à 1,5 km, elle va quand même se prendre les full dégâts, là où avec les attritions c'est un peu ridicule quoi. 1,5 km ça sert à rien. Mais ils sont même sur les trams. Mais ouais, surtout, les attritions sont, on va dire, intéressantes à partir des tailles inférieures aussi. Oui. Bon, ça, c'est des corrections de bugs sur le Constellation prochainement. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon vaisseau préféré et je farm pour mieux le payer. Ça arrivera quand ça arrivera, quand CIG décidera de le rebosser dessus. Donc prochainement, oui, dépendant de ce que tu appelles prochainement. J'ai fait un retour menu, je vais rejoindre ton serveur parce qu'en plus j'étais bloqué dans un tram. Ça marche. Avec les D5, les canons c'est pas top en ce moment. Malheureusement ouais. Pourtant ça reste un truc qui est super intéressant les canons. Alors, n'oublie pas de m'inviter toute la partie aussi. Oui c'est vrai, faudrait que je fasse ça. Je suis en guerre 4. D'ailleurs, je suis le seul à trouver que les canons manquent de portée comparé aux répéteurs. Parce qu'ils ont plus ou moins la même portée, hein. Je crois que t'as un peu plus de portée avec les canons, je suis pas sûr. Faut vérifier ça. Ouais, mais je crois que c'est pas ouf, je crois. Enfin bref. Ah, peut-être. Pour avoir j'ai un peu testé les canons sur le sabre à une époque. C'est là qui dit que les canons tirent plus loin, ouais. D'accord. Bah, j'avais pas ce sentiment. Bon, on va regarder Rapidos, hein. Ouais, ouais. Autant que je quitte l'atmosphère parce que je vais aller sur. Sur Michelin, comme ça on sera à proximité de Jericho. Ça, 500 mètres de plus environ. Je pense que ça va dépendre de la taille. Ça va dépendre de la taille. C'est pas une valeur fixe. Ça me surprendrait que ce soit une valeur fixe. Ça doit dépendre de l'arme et de la taille, oui. Hop. Donc. Alors, nous disions. Hercule. Nous disions que je vous montre. Tac. Ouais, donc on va prendre un repeater balistique taille 3. T'as pas. Ah, balistique, ok. Mantis. Donc la Mantis, portée max 2300 mètres. Maintenant, on va prendre un balistique canon équivalent 3100 mètres. Dans le groupe. Sérieux? C'est la même vitesse? C'est la même distance? 3100 mètres? Ah, je suis pas fou. Ah non, oui, non, excuse-moi, 2300 mètres, 3100 mètres, donc il y a 700 mètres de différence pratiquement. Ah, bon, là c'était assez sympa. Au lieu taille 3. Pas négligeable. Ok, bon. Comme je disais, on va aller sur le point de Lagrange numéro 1 de Microtech. Après on va aller voir pour ce qu'est Xenosret. Au coup c'est cohérent que les canons aient une plus grande portée que les batteuses. Enfin que les répiteurs. Oui. Emut qui dit, je suis presque sûr d'avoir croisé un profil avec la photo de Lerco sur le site de rencontre Castak Love pour les mâles alpha et amoureux des grosses mécaniques. True or fake? Bah, je savais même pas que ça existait en fait ce truc là, donc j'aurais tendu à dire fake, mais bon. Voilà.
À moins que tu aies somnobule et que tu l'as créé durant la nuit. Peut-être, ouais, je sais pas. Putain. Et donc, Pac, bah ça se passe comment? J'ai équipé mon vaisseau. Encore eux qu'ils ont réouvert les stocks. Et d'ailleurs, faudrait aussi qu'on teste un peu de. Faudrait tester un peu de Bounty pour voir si jamais ils font. Quand ils sont vraiment moins skateboard les vaisseaux. À tourner dans tous les sens, peut-être des skateboards tester, open ouais. Figure. Abstract, oui, je suis sur le PU actuellement. Je suis en train d'évoluer dans l'univers persistant. Je sais que je suis chiant avec ça. Mais. Rentrez-vous dans le crâne! Est-ce que t'es dans le PU, ça veut rien dire? Oui, je suis dans le PU, dans l'univers persistant. Est-ce que tu es sur la version live ou la version PTU? Ça, c'est la question que vous voulez poser. Dans le PU, c'est. T'es dans le PU ou t'es dans l'Arena Commander? Point. Ah, y a pas la commande, ouais. Y a pas la commande pour l'exclamation PU. PU, AC ou Star Marine, ouais, c'est ça. Et bientôt, TOW. Enfin, bientôt. Un jour, peut-être. Peut-être. En fait, je m'étais bel et bien pris un. Un glitch. Exios qui dit à ce qui paraît sur la version live, t'as 10 millions de crédits. Alors oui, non, parce que tout à l'heure j'étais à 3,5 millions. J'espère que tu m'as pas filé 6,5 millions de crédits, Alexi. Oh putain. Ah, il y a un joueur qui est là, tiens. Un Aurora LX. Il va faire Xenotrait avec un Aurora LX, le monsieur. Dans le doute aussi, je vais équiper mon. Étonné que j'ai un Gladius. Je vais l'équiper aussi. Tu vas l'équiper méta? Ouais, c'est ça. Pour l'attrition. Excusez-moi. On va juste se poser, refaire le plein, et on sera bon. Ah, je peux acheter 5 armes sans que ça me dise stock, stock insuffisant, c'est agréable. Regardez pas, un joueur voulait me parler en tête à tête car j'étais recherché par la guilde des chasseurs de primes. Il voulait m'affronter avec un Aurora stock. Soit c'est un excellent joueur, soit il a sous-estimé la difficulté de la tâche. Au choix. Bon, allons voir du côté de Jericho. Quelles sont les revendications des pirates Xeno? L'UE, c'est des pas gentils. Voilà. Très simplifié, hein, mais. Non, revendications, c'est juste qu'ils aiment pas les accords commerciaux entre l'UE et les Xeno. Pourquoi il a fait l'artifice quand j'arrive? C'est quoi ce bordel? De quoi c'est fait l'artifice? Pourquoi il est fait l'artifice? Bah c'est quoi c'est fait l'artifice? Pourquoi il est fait l'artifice? Comprends pas. Pote de lieu peut-être? Bah... ouais, mais où?
On devrait un minimum les voir quand même, mais là on les voit pas. Genre y'a un Avenger Titan qui est là. C'est l'ouverture d'Hunger Games, c'est ça? Allez, on va voir ce qu'il y a. Hein. Millième client? Ah, peut-être. Peut-être le millième client de la zone. Mais pourquoi il y a des feux d'artifice, bordel de merde? Ils sont plantés, hein, on n'est pas au niveau de l'IAE ou de l'Invictus Week, hein, les mecs. Y'a un souci là, hein. Ton anniversaire d'Arco? C'était mon anniversaire il y a quelques mois déjà, il y a 2 mois. Donc ils ont 2 mois de retard là les mecs, hein. Genre félicitations, vous êtes venus ici pour rien. Eh, je me suis bien posé, j'ai un ticket. Bah, plus ou moins. Et pourquoi pas? C'est pas faux. Bonjour monsieur. Allez, l'onglet du Valiant. Bon, en tout cas pour le FPS, je suis bien opti. Ah pareil, moi j'ai pris armure légère et moi, j'ai pris, on va peut-être réactiver le chat in-game. J'avais qu'une seule arme, la FS9, donc je me suis dit full chargeur FS9. Voilà ce que j'ai fait aussi. C'est joli, hein, mais ça sert pas à grand chose. Combien de balles avez sur vous? Oui. C'est bien résumé. Le javelin est pas si gros de toute façon. Bah, il fait 400 mètres, quoi. Alors dans le loot on va déjà aller au niveau du nuage de gaz là-bas puisque c'est là-bas qu'il va y avoir les trucs à récupérer. Bah je vais d'abord équiper mon cutlass. Ça marche. C'est ça que j'ai oublié de prendre, le rayon tracteur. Salutations la grosse daronne. J'étais à l'Atlas, merci beaucoup pour l'info. Bah avec plaisir. C'est comme je disais, hein, ça reste le meilleur choix actuellement pour un moteur de saut taille 1. D'ailleurs moi non plus j'ai pas pris de rayon tracteur. Pas grave. Je vais vérifier, hein, mais je crois bien ne pas avoir de... J'ai le multi-tool de récompense. Mais je pense pas avoir le rayon tracteur qui va avec. Utility item, pyro... Et non. Bon bah laisse tomber. Alors. Ça tout le monde, personne ne sait, les pistes sont event, a été fait sur le serveur, les devs sont trop contents de leur event. Donc dans ce cas, ça fait ça à tout le monde, on va savoir. Par contre, oui, pas de mission. Il y a le Bookclaim Jumper, mais bon, c'est pas top. Hein. Alors, question, les gars. Est-ce que il faut la réputation minimum ou pas pour faire cette mission? Pierre Plaquini, ça fait 5 jours que j'ai pas joué. J'ai un manque, il me faut un fixe. Bah, lance le jeu. Je crois qu'il faut un PC fixe. Non, pas besoin de réputation. Ok. Quelle mission d'Arco? La mission de Xenothreat. Pour l'instant, on n'a pas encore la mission. Comme je disais, je vais déjà aller au niveau du nuage de gaz là-bas. Et on verra bien. L'event est fini, non, là, si t'avais les feux d'artifice. Et ils ont commencé l'event aujourd'hui. Me dis pas qu'il est déjà fini, quoi, sérieusement. Non, ne dis pas ça.
Donc j'ai équipé le Gladius Valiant exprès pour ça. J'ai équipé mon Gladius et un... et un Catlas pour ça. C'est pas à 21h normalement? Ah mais à 21h je serai sur Warship les mecs. Au pire on fera ça vendredi, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Oui, il parle des news par rapport aux pirates sur le Spaceport. Ah ouais? Ils disent faites attention à vous, il y a des pirates de pyro qui se rôdent autour de Microtech. Ah ouais, le Gladius c'est vraiment très très bon pour le dogfight et notamment pour l'apprentissage de dogfight. Hein. C'est... Alors oui, on sait Quincy que ça a commencé la semaine dernière avec Xenosfret, mais il l'avait arrêté dimanche. Et visiblement avec la mise à jour PTU qu'il y a eu hier, voilà. Déjà ? Alors c'est un événement, pas événementiel, Ménérez. Événementiel, c'est la catégorie générale. Un événement, c'est... voilà. Dans l'événementiel, c'est autre chose. Une question, je souhaiterais upgrade mon arrow vers un Gladius ou vers un S7C ou S7C Ghost. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont la différence entre S7C et S7C Ghost? Alors, si t'as déjà le arrow, l'upgrade vers le Gladius est la solution logique. Tu seras avec une malhabilité semblable, mais avec plus de résistance. Et une puissance de feu similaire également. Pour ce qui est du F7C et F7C Ghost, ce sont des chasseurs medium, donc beaucoup plus lourds, potentiellement mieux armés également. Et le Ghost, c'est un chasseur furtif comparé au F7C classique. Et comme le dit Obstrek, pour l'instant, le Ghost, bah, si tu joues pas furtif, ça sert à rien. Et très sincèrement, jouer furtif à l'heure actuelle, c'est plus ou moins inutile parce que c'est pas vraiment intégré. Et ça commence à être intégré, mais c'est pas encore le cas. Un chasseur furtif, je te conseillerais plutôt le sabre, puisque le Hornet, qu'il soit classique, Super Hornet, S7C Ghost ou le Hornet Tracker, donc 2 générateurs de bouclier, là où le sabre a 3 générateurs de bouclier, donc plus résistant. Et la puissance de feu est similaire, puisque tu as 4 armes de taille 3 sur un sabre, là où pour le Hornet, tu as 3 armes de taille 3 et une arme de taille 4 de mémoire. Voilà. Donc personnellement, le F7C pour l'instant, le Hornet, tant que le blindage n'est pas intégré, il n'est pas intéressant. Donc vaut mieux s'orienter vers un sabre. Et dans tous les cas, essaye de pas commencer à avoir trop gros dès le début. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la suite logique par rapport au Haro, c'est Gladius. Parce que ça reste la même catégorie de vaisseau. Le Hornet, le sabre, c'est les chasseurs medium. C'est une autre catégorie, plus lourd, et c'est pas exclu que ça déplaise au niveau du pilotage. Par exemple, j'ai plus de plaisir à piloter le Gladius que le sabre. Parce que le sabre, même s'il est assez manœuvrable, plus manœuvrable que le Hornet, je trouve qu'il est un peu lourd quand même. Surtout que les Hornets n'ont pas encore été refaits. Ils vont pas être refaits. Ils vont juste être adaptés, tel que le Gladius a été adapté, c'est-à-dire avec les composants physiques présents. Mais à part ça, ils vont pas être faits. Mais le sabre, de toute façon, pour l'instant, le sabre reste, à mes yeux, un meilleur choix que le Hornet, parce que le sabre est, comme je disais, il a un générateur de bouclier en plus, par rapport au Hornet. Et en plus de ça, il est plus manœuvrable. Le sabre, oui, c'est un chasseur médium, ouais. Tout à fait. Entre Gladius et F7C, le F7C est plus tanky, il a plus de puissance de feu. Ouais, tout à fait. Ouais, mais il est aussi plus gros et moins maniable. Beaucoup plus lourd. Je me prépare à sauter sur Jericho. Ça marche, moi je suis en direction de... du nuage où il est censé y avoir justement l'event. En fait moi la raison pour laquelle j'aime pas le Hornet c'est ça, c'est qu'il est vraiment trop lourd. J'ai regardé la dernière vidéo de Dayum, vous en pensez quoi? Je l'ai pas encore vu. Et, parce que c'est vrai qu'on est mercredi donc il l'a sorti aujourd'hui sa vidéo. C'est laquelle? Vidéo sur...
Ça se donne des millions d'apparts. Je l'ai pas encore vu parce qu'il l'a sorti il y a une heure et qu'il y a une heure j'étais déjà en stream. Dommage. Mais je regarderai plus tard, vous inquiétez pas. Bon, vraisemblablement, c'est là que ça va se passer. Donc de 8h ce matin à 13h30 cet après-midi, pas de notion de... Donc 8h ce matin et 13h30 cet après-midi, pas de notion de durée. Ok. Bon bah résultat, c'est-à-dire qu'on sait pas s'il y a Xenothreat qui est actif en ce moment. Oh, c'est génial hein. Bien. Après ça dépend de comment tu joues en dogfight, en statique, en mouvement, en marche arrière, que le choix de... du light, medium ou heavy fighter est influencé, je suppose. Pas du tout. Déjà, tu joues pas en statique. Un vaisseau statique, un vaisseau à l'arrêt, c'est un vaisseau qui est mort. Parce qu'il y a rien de plus simple à aligner qu'un vaisseau qui est statique. En fait, c'est surtout par rapport à ta cible. Je rappelle que les vaisseaux sont capables d'être... Enfin, sont efficaces contre les vaisseaux de leur gabarit, voire un brin supérieur. Avec une marge, bien entendu. L'intérêt en fait du sabre, c'est que s'il est face à quelque chose qui est aussi manœuvrable que lui, voire un peu plus manœuvrable que lui, ou beaucoup moins manœuvrable que lui, il va avoir l'avantage. Complètement. Il aura l'avantage. Donc c'est-à-dire que tu mets face à un constellation, le Hornet il se fait plaisir. Le Gladius, le Arrow, le Buccaneer, face à un Hornet ils vont avoir du mal. Par contre, tu les mets face à un vaisseau un peu plus lourd que le Hornet, le vaisseau en question a aucune chance. Tu prends par exemple un Cutlass, tu prends par exemple un Vanguard, etc. Ils se font découper par les chasseurs légers, complètement. Le Gladius face au Hornet, le Hornet, bah, en quelques coups, il peut réussir à flinguer le Gladius. Je parle du Hornet, hein, mais ça reste le sabre, ça marche aussi. Mais en même temps, un bon pilote de chasseur léger, tu mets face à quelqu'un qui est en Hornet ou en sabre, il fait pas un pli. En fait, le truc, c'est... Faut voir cette puissance de feu supplémentaire proposée par les chasseurs lourds comme un moyen de taper sur plus lourd que soi. C'est pas tellement une question de pouvoir faire plus de dégâts sur une cible plus petite. Pas comme ça, parce que ça sert à rien de faire beaucoup de dégâts si de base t'arrives pas à toucher ta cible. Voilà. Et le Hurricane qui a le cul entre deux chaises. Alors non, le Hurricane n'a pas du tout le cul entre deux chaises. Le Hurricane, il est là pour taper sur beaucoup plus lourd que lui. Et là, par exemple, pour faire un bon support appui-feu sur un Amerella. Par exemple. Franchement, pour avoir fait hier un Hurricane en sabre ou en Cutlass, l'Hurricane n'a aucune chance face à un chasseur. Par contre, contre un Cutlass, il prend cher. Enfin, le Cutlass prend cher. Normal. Et pareil, hein, tu prends le Hurricane, tu le mets face à un Vanguard, le Vanguard, il fait 2 secondes. Hein. Et c'est découpé. Ah oui. Bon, il n'y a rien au niveau du... Donc je reviens sur Jericho. Ah, t'étais déjà parti? Oui, j'étais en train de venir. Ah désolé, bah y a rien en fait. Donc bah... D'accord. On reviens sur Jericho. Bon, on fait quoi alors? On retourne sur la version live? On quitte le PTU parce que là, il y a... Pas grand chose quoi. Ouais. À la limite, faut juste voir ce que ça donne, leur amélioration. Ouais, on peut rester sur la version PTU et puis aller voir ce que ça donne l'amélioration par rapport au PNJ, mais dans ce cas, on va aller sur le point de Lagrange numéro 1 de Hearthstone. Et on va aller farmer au niveau de Hearthstone. D'ailleurs, quelle configuration d'armement tu préconises contre un chasseur léger pour taper un Vanguard ou un Freelancer ou un truc de cette solidité? Scattergun? Non, je suis pas fan là pour le coup. Ah, ce serait que les scattergun. Ah, mais t'es déjà parti. Oh, excuse-moi, je suis parti. En fait, les chasseurs légers, le truc c'est que moi personnellement, comme je dis à chaque fois, je suis un flemmard. Donc j'aime bien les armes qui sont polyvalentes, qui vont faire des dégâts quelles que soient les circonstances. Quitte à ce que ça manque d'efficacité dans un domaine spécifique. Pas pour rien que j'aime bien les mantis et les repeaters énergétiques. Dans tous les cas, repeaters énergétiques, ça fera le taf.
Quand je parle répéteur énergique, je parle des CF, parce que les CF 337, c'est ceux qui ont des dégâts qui sont les plus constants dans le jeu. Donc ça fait le taf. Un Buccaneer, plus c'est gros en face et lent, plus c'est facile. Ouais, c'est ça. De façon générale, c'est ça. En même temps, le Buck, c'est un hit and run. Ouais. Le Buck, c'est pas un dogfighter, hein, je rappelle, le Buccaneer. Un vaisseau qui est là pour... Tu fonces sur ta cible, tu tapes, tu te barres. Mais t'engages pas un mec. On m'a dit sur mon arrow de mettre full attrition. Les attritions, outre le fait que perso j'aime pas le design, vraiment que je fasse une commande pour l'exclamation attrition. Les attritions perdent en dégâts à mesure que tu t'éloignes de la cible à partir de 300 mètres. Les attritions, c'est pas une arme de débutant. Il faut avoir déjà une maîtrise du vaisseau, déjà que le arrow c'est pas forcément un vaisseau facile à maîtriser de base. En plus, avec des armes de ce genre qui demandent à coller ton adversaire. En fait, les attritions, pour vraiment tirer le maximum de ces armes-là, il faut être le nez dans le cul de ton adversaire non-stop. Attrition, c'est comme le scattergun sans la dispersion. Bien vu. C'est super efficace en close combat, ouais. En plus, oui. C'est pas pour rien que je préconise le plus souvent les CF-337 hein, comme armes. Parce que c'est les armes les plus polyvalentes qu'il y a actuellement et qui sont les plus simples à maîtriser. Quand je dis que le stuff que j'utilise, c'est le stuff du flemmard, c'est vraiment ça. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les armes les plus basiques au possible, mais sur lesquelles tu peux te reposer sans aucun problème, quelle que soit la situation. Et au moins, rouler jeunesse, quoi. Je sais pas comment je te fais mon Gladius en arme, en fait. Comme je le disais, je te conseille les repeaters énergétiques. Après, ça dépendra si tu veux jouer en fixe ou en articulé, bien entendu. Donc si t'es en fixe, taille 3, basta. Et si t'es en articulé, double taille 2, double taille 1. Ou alors triple taille 2, articulé, c'est toi qui vois. Les CF font vraiment le boulot, c'est vraiment hyper polyvalent, c'est super efficace. Même pour une arme polyvalente, elle reste. C'est une arme qui peut toujours servir, quoi, franchement. Malgré. Parce que. Tu vas y arriver. Pense à ta phrase, construis-la dans ta tête. En gros, je voulais juste dire que les CF, c'est pas. C'est pas comme l'Avenger dans le sens, en fait, l'Avenger il est bon en tout et excellent en rien. Là, c'est les CF sont quand même un peu plus. Avec les 447 aussi, là je tapais sur de l'Idris avec mon Prowler et putain, je sais pas c'était quoi, mais il a fallu au moins 5 minutes de tir continu pour les surchauffer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle surchauffe assez lentement. Ça marche comment ça, le fixe et le gimbal? J'ai vu que si tu veux du gimbal, il faut réduire la size exactement. En fait, de base, les vaisseaux ont un taille d'emport d'armes. Ont plusieurs tailles, enfin plusieurs emports d'armes avec chacun une taille. Regarde par exemple le Gladius, c'est les emports d'armes de taille 3. L'Avenger, c'est deux emports d'armes de taille 3 et un emport d'armes de taille 4. Donc on va rester avec le Gladius. Je dis Gladius parce que le Arrow, ça va être plus ou moins la même chose. Les armes fixes, grosso modo, c'est elles vont tirer tout droit, avec une petite aide à la visée qui est intégrée au jeu. Résultat là, en triple taille 3 comme j'ai actuellement sur le Gladius Valiant, mes armes vont tirer tout droit, point. Si je veux passer en gimbal, donc articulé, il faut que je consomme une taille d'arme pour pouvoir équiper une attache articulée sur mes emports d'armes. Et donc je passe en triple taille 2. Le gimbal, il y a deux manières de les utiliser. Enfin, techniquement 3. Jouer en fixe, mais bon, dans ce cas-là, autant jouer directement avec les armes fixes, donc taille max. Jouer en articulé, ce qui veut dire qu'avec ton joystick ou ta souris, tu vas choisir où est-ce que tu vas viser. Et... les armes vont tirer là où tu vises, et tu as le gimbal assist qui est un mix entre les deux. C'est-à-dire que tu as l'impression que les armes sont fixes, mais tu auras une assistance à la visée excessivement importante qui va être intégrée. Ce qui veut dire que tu vas avoir un bon 15 degrés de correction de tir lorsque tu allies un adversaire pour pouvoir l'allumer. Le truc c'est que ça c'est pour ce qui est des tailles d'armes classiques. Après tu as également les tourelles. Et là on va parler donc du Arrow. Le Arrow de série, il a deux armes de taille 2 articulées, puisque c'est des emports d'armes de taille 3,
et une tourelle articulée également qui porte deux armes de taille 1. C'est une tourelle automatique. Pour faire très simple. Une tourelle, c'est simple, c'est tu prends une taille, donc l'emport d'arme c'est une taille 3 pour le haro, tu consommes une taille pour faire l'articulation, classique, hein. Donc résultat tu passes avec une arme de taille 2, et tu consommes une taille si tu dupliques les armes, donc deux armes de taille 1. Voilà. Le gimbal 3 fois sur le S2 sur le haro vaut pas le coup. C'est pour ça que c'est plus intéressant de prendre les deux armes de taille 1 sur le dos avec les deux armes de taille 2 sur les ailes, ou le haro. Génial, débris invisible. Oh, GG à elle. Ah, il y a Mizadou qui a gagné le concours de screenshots sur, pour Daymar. Pour Delamar, nice ça. Question. Je débute sur Star Citizen lors d'un dogfight, je ne parviens pas à lock une cible. La touche T ne fait rien. Qu'est-ce que j'oublie? Et merci Lulovic pour le follow. Parce que c'est pas la touche T, en fait. Vous allez en keybinding, en fait vous regardez ici. Vous avez cyclé les adversaires sur la touche 4. Cycler les hostiles. Donc cibler les adversaires, c'est les personnes qui t'attaquent. 5 pour cycler les hostiles. 6 pour cycler les alliés. Et 7 pour cycler la totalité des personnes. Donc il faut taper sur la touche 5 pour cycler les hostiles. Et salutations Ludovic. Alors non, c'est pas trop loin en fait. Dès lors qu'il a l'indicateur comme quoi il y a un vaisseau à proximité, tu peux verrouiller la cible. Bah tiens, il y a les raffineries, on peut acheter les multitools ici. Pas faux. On peut essayer d'y aller. Après, moi, que tu joues en fixe ou en gimbal, il n'y a pas de mieux, c'est par rapport au feeling de la personne du coup. Alors, le truc, c'est ce que je conseillerais quand tu débutes en dogfight, c'est de jouer en gimbal pour profiter du gimbal assist. Comme ça, tu peux davantage te concentrer sur le pilotage de ton vaisseau et laisser l'aide à la visée gérer plus ou moins le tir de précision. Et une fois que tu te sens à l'aise pour les manœuvres de ton vaisseau, passer en fixe pour bénéficier d'une meilleure puissance de feu. Si t'as un vrai véritable pur flemmard et que t'as pas envie de te prendre la tête, rester en gimbal assist c'est très bien. Et si t'as envie d'avoir un peu plus de punch, c'est mieux de passer en fixe. C'est ce que je conseillerais. D'autres personnes conseilleront certainement autre chose, mais pour moi ça me paraît cohérent comme truc. Ça rejoint plus ou moins ce qu'avait dit Dayum en fait par rapport à sa vidéo sur le gimbal, où il parlait du gimbal assist justement. Où il y a les personnes qui gueulaient comme quoi c'était trop simplifié, comme quoi c'était OP, etc. Et il disait que bah, pour une personne qui apprend à jouer, c'est bien le gimbal assist. C'est pratique. Et surtout, ça va être pratique pour les gros vaisseaux. Tout à fait. Bon, j'ai fini de réparer. Ah oui, toi, tu veux aller faire... Bref. Est-ce que tu veux vraiment récupérer le multitool? Vu que là, on n'a pas le Xenosret. Hein. Au pire, on pourra le récupérer plus tard. Ouais. Ouais, je me suis au moins posé. Ah voilà, qui dit, je débute aussi et je m'entraîne au vol en découplé. Du coup, le gimbal m'aide bien perso pour le moment. Alors, vol découplé, vol couplé, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient le vol découplé pour le dogfight à un certain niveau. Moi, j'ai toujours volé en couplet et ça se passe très très bien. Donc je fais du 2x1 en tourelle et 2x2 en 2 taille 2 pour le reste, exactement. Et comme je le disais, hein, la grosse daronne, je te conseille vraiment les repeaters. Donc tu mets 2 CF-117 excuse-moi, sur le dos et 2 CF-227 sous les ailes. Et c'est très pratique. Ça fera le taf. Tu vas dire, ouais, j'ai... T'auras peut-être l'impression de manquer de puissance de feu, mais c'est normal. Ça reste un chasseur léger et là t'es en gimbal donc tu consommes une taille. Quand tu vas passer en fixe, si tu passes en fixe un jour parce que t'as envie de passer en fixe, tu vas sentir la différence et c'est assez violent. Donc en fait je fais du mix découplé-couplé. Bah moi étant donné que sur la manette des gaz j'ai un moyen de gérer tout ce qui est strafe etc.
Le couplet, j'utilise vraiment pas, dans le sens où en fait j'en ai limite pas besoin, quoi. J'ai mission d'initiation de chasse à la prime qui vient de popper, donc On je. ferait pas chacun la sienne comme ça on est sûr. Ouais, ça me va. C'est laquelle, la Hearthstone? C'est Bounty Hunter Guild. Tracker Training Permit Certification. Il me l'a prise ou pas tout à l'heure? Non, il me l'a pas prise. Je la prends. En effet. Voilà. Je vais devoir taper Tom Drummond. Moi, c'est Alvor O'Leary. O'Leary. Par contre, je vois pas ma cible. Ah, ça y est. Bon, je vais passer par Magdamon de mon côté. C'est quoi le couplet découplé? Alors, le couplet, c'est lorsque tu es en train d'avancer, tu tournes le nez d'un côté. Et en fait, ton vaisseau va changer de vecteur et aller vers là où tu pointes. Le découplé, pour faire très simple, c'est tu vas sur un vecteur et puis tu tournes sur toi-même et puis ton vaisseau continue sur le même vecteur. Très simplifié. Mais par rapport à ça, la grosse daronne, je te conseille vivement, très vivement, de regarder une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Le guide du petit Dogfighter, où j'explique vraiment tout ça en détail. Le guide du petit Dogfighter. Non, hop, Dogfighter. Voilà, le guide du petit Dogfighter, c'est ça. Sachant que, évidemment, il y a eu des modifications depuis que cette vidéo est sortie, puisqu'elle date du 15 novembre 2019, avec notamment le fait de pouvoir passer du mode gimbal au mode fixe ou au mode gimbal assist, avec la touche G plutôt que la touche R. C'est juste ça. Putain, oui, ça spawn instantanément. Oh, c'est agréable. Alors, un Gladius. Je vais tourner autour un peu pour voir comment il vole. Ah oui, il y a son escorte qui est déjà là. Y a pas de soucis, la grosse daronne. Son pseudo me fera délirer à chaque fois. Bon, je suis à 50 bornes de la cible. Voir ce que ça va je donner. Hein. soigne la mienne. Alors non, God of Chaos, on peut pas changer le lance-missile par les armes, non. Ce serait un peu OP, t'imagines, mon Gladius? Tu peux. Tu peux mettre les rocket pods. Oui, d'accord, mais bon, t'imagines si mon Gladius, tu pouvais remplacer les lance-missiles par des armes à répétition? Ah non. J'aurais un total de 7 armes de taille 3 sur le vaisseau. Ouais, ça spawn instant, ouais, en effet. C'est un peu violent. Le Gladius, il est dans la méta. C'est cool. Alors pour les rocket pods, c'est sur certains vaisseaux. Et c'est pas sûr que. Hein, mais il faut surtout. Et les rocket pods, tu peux pas les acheter à part. Faut acheter un vaisseau. Il y Un a des Mustang rocket pods Delta. déjà équipés. Voilà. Donc ça fait cher juste pour avoir des rocket pods. Bon, il coûte pas si cher le Mustang Delta, faut arrêter. Ouais, 700 000 quand même. Mais putain, je sais pas le bon. Je me disais putain c'est bizarre, il me dit que faut que je tire là, mais en fait pas du tout. Donc toi t'as eu du Gladius dans ta mission. Ouais, un Gladius et un M50. Putain moi j'ai eu deux Aurora Helen. Cette arme taille 3 non de Zeus, ça serait complètement débile. Ce serait super marrant. Verify Freelancer Bounty Assessment. Eh ben écoutez, je prends. Hein. Eh! Eh! C'est loin! C'est loin! Ça a cruisé l'air!
ça t'a sonné hier. En effet. Cette taille 3, tu mets des lunettes de soleil en dogfight, sinon tu deviens aveugle. Mais imaginez quand même. À la place de chacun des lanceurs de missiles que j'ai, mettre une arme taille 3 en plus. Bon, j'en ai un au bout de chaque aile, et un à la base de chaque aile. Le monstre que ça ferait quoi. 7 taille 3. Oh là là, j'en viens à rêver de ce truc là. Tu me conseilles quoi comme arme sur l'Avenger Titan? Je te conseille de faire point d'exclamation. Loadout est inspiré de exactement l'équipement que j'ai sur mon Avenger Stalker. Rigoureusement la même. Sachant que je le répéterai jamais assez, mais les armes ne font pas tout. Pour vous dire, hein, là je voulais participer à l'event Xenothreat et ça me faisait chier parce que je n'avais que les armes qui étaient disponibles sur mon vaisseau. Et un vaisseau qui a des bonnes armes mais qui a tout le reste qui est à chier, bah c'est un vaisseau qui est à chier. Il faut penser générateur d'énergie, refroidisseur, générateur de bouclier et potentiellement également moteur de saut. Et cet assaut d'Arkisha. Donc pour rappel, hein, pour un vaisseau de taille 1 monoplace, donc Gladius, Avenger, Hornet, Sabre, comptez 200 000 crédits pour l'équiper. Le joueur fait le vaisseau aussi. Oui, mais bon, on va dire à skill égal, tu prends quelqu'un qui a des armes qui sont pas top, mais tout le reste des équipements qui sont au poil le cul, et un mec qui a les meilleures armes du jeu, mais tous les autres équipements qui sont pas tip top, bah personnellement je mise plutôt sur le mec qui a les armes qui sont pas tip top mais le reste du vaisseau qui est bon. À ce qu'il égale. Entre un Gladius FR 66 et Palissade et un Gladius full all stop, je mise plus sur celui qui a le combo. Hein. Ouais d'accord. Surtout qu'il pue la merde le all stop. C'est complètement de la merde. Tu sens que les militaires ils ont fait un peu trop puissant, on va vous fournir de la merde à côté. Hein. Mais en fait, autant pas mettre de générateur de bouclier à ce compte là. Ouais, mais c'est pas légal de vous vendre un vaisseau sans générateur de bouclier, donc on a mis de la merde quand même dessus. Enfin, je sais pas, mais. C'était le tout premier générateur de bouclier militaire. Ouais. Il était pas mal à l'époque. Enfin, là, les générateurs de bouclier de série sur ce genre de vaisseau. Ils sont aussi inutiles qu'un téléphone sans prise jack. Oh wait. Excusez-moi. C'est la pensée de ce que tu vises. Moi j'aime bien le stealth, donc mon setup sera le même. Bah après, c'est ça le truc, c'est. Il y a plusieurs façons de jouer donc bon. Oh le build stealth il marche hein. Ouais. Personnellement je suis pas méga fan, hein, mais. Ouais. J'aime bien dire ça, mais avec tous les combats contre l'Idriss que je l'ai fait avec mon sabre, ça marche, le stealth, ça tanque bien, ça fait des dommages, et le kilomètre 7 pour être spoté avec un autre, enfin, par un autre chasseur, c'est pas mal. Alors, ça tanque bien, je suis pas convaincu, mais en effet, le fait d'être spoté qu'à 2 km 7, c'est pas mal. Ouais, ça tanque bien. En attendant, je mourrai pas contre l'Idriss avec mon sabre. Pourtant, je me prenais des tirs. Et moi je suis pas mort avec le Gladius contre l'Idriss non plus. Bon, ok, j'ai perdu une aile, mais parce que je faisais pas attention. Oui, bon après j'avais aussi perdu une aile une fois aussi. Bon, généralement je me retrouve avec les deux réacteurs à moitié morts. Overclock qui dit c'est voilà. Pas que Apple, la prise jack ça existe plus pour la plupart des téléphones. Y'a que toi qui a les téléphones de Mathusalem. Ouais, mais bon. Prise jack quoi, c'est bien, merde. La prise jack c'est l'une des seules prises où tu te dis pas j'essaie de la brancher, merde elle est à l'envers, faut que je la branche dans l'autre côté. Voilà. C'est une prise à 360 degrés, c'est bien ça. Le jour où le railgun te touchera, tes trois shields feront pas de différence. Ah bah, attends, l'Idriss tire avec le railgun sur un chasseur. T'as quel périphérique, clavier souris, OTAS, double joystick, OTAS, T16000 MFCS de chez Thrustmaster. Ça fait le taf, mais très sincèrement,
clavier souris, c'est suffisant largement pour pouvoir jouer au jeu. Voilà. Voilà, c'est le jour où je me fais toucher par le Reagan de l'Idris, c'est que j'étais parti faire un café, quoi. Ou alors que ton pilote s'est déconnecté. C'est ça. Ce que je comptais me prendre, le T16000. Alors, le combo T16000, donc joystick manette dégâts de chez Thrustmaster, il est bien. Alors, bien entendu, il y a mieux. Genre, tu vas chez SciTech avec le 56, etc. C'est de la meilleure qualité, indéniablement. Mais l'avantage du T16000, c'est que pour le prix qu'il coûte, c'est-à-dire que tu prends le joystick et manette dégâts, t'en as pour 100-120 balles. Normalement, hein, parce qu'avec le confinement, et les stocks sont faits vider, donc aujourd'hui ça coûte vachement plus cher. Me rappelle pas. Mais normalement, donc tu t'en sors pour 100-120 balles, et franchement t'as du matos qui vaut plus que ça au final. C'est du très très bon matos pour le prix que ça coûte. Moi ça fait plusieurs années que je l'ai. Y'a aucun souci. 150 balles sur Amazon. Alors question, c'est juste joystick et manette de gaz ou palonnier également? Parce que moi j'ai le pack avec le palonnier, parce que c'est Thrustmaster qui m'avait contacté pour me dire hey, ça dirait de tester ça pour Star Citizen, on voudrait savoir les retours. Donc je leur donne les retours, comme quoi c'était bien. Mais le palonnier j'ai jamais utilisé, parce que ben t'en as pas besoin. T'en as littéralement pas besoin. T'as les six duffs en fait directement sur le joystick et la manette de gaz. Six duffs, enfin les 6 degrés de liberté. Hein. Et c'est nickel. 150 balles pour juste le joystick et la manette de gaz. Comme je disais, c'est un peu cher. Normalement, tu peux t'en tirer pour 100 balles. Me rappelez pas que j'ai dû payer 160 le mien. En fait, parce que ça sortait du confinement. À l'époque où moi j'ai reçu mon joystick et la manette de gaz, il était aux alentours de 120 balles. Voilà, c'est ça. Comme le dit Overclock, lui il a payé 120 euros. Et je sais que sur certains sites, t'as moyen de le trouver à un peu moins cher, jusqu'à 100 euros au minimum en neuf. Et comme je le disais, aujourd'hui, avec le confinement et l'explosion des stocks, comme le disait Horus, c'est que lui, le sien, il a payé beaucoup plus cher, malheureusement. Moi, je suis avec un Hubweaver, Gamepad et un gladiateur VKB. VKB, par contre, là, tu tapes sur du très haut de gamme, pour le coup. VKB et Virpil, c'est du très haut de gamme. Ah, un Eclipse. J'ai déjà équipé chez Thrustmaster pour du sim racing, je suis très content en termes de qualité. Alors oui, mais par contre ça s'applique pas à tout le matos de Thrustmaster, un radar. Dans le sens où tu regardes le Flight X de Thrustmaster, c'est de la merde. C'est pas palonnier le manche du T16000 non? Si, mais bon personnellement j'ai pas foutu le roulis au niveau du roulis du joystick parce que ça me fait chier, je l'ai foutu sur le palonnier directement de la manette des gaz. C'est sur la manette des gaz, t'as... Je vous montre, hein. Il y a des sortes de palettes, juste ici. Et ça me sert pour le roulis. Ça fonctionne très bien. Bon, j'ai débloqué les VLRT de Hearthstone. Enfin, je peux débloquer les VLRT de Hearthstone. Donc je retourne sur Hearthstone. Moi, je vais passer par Port Alissar pour récupérer un Atlas. Après que j'ai fini ma mission, parce que je suis encore à 60 bornes de là. Pas con, je vais faire de même. T16000 comme premier OTAS, c'est cool, il est ambidextre, donc tu peux te convertir en double joystick à ton deuxième achat. C'est ça. C'est, en fait, par rapport à ça, Slider, t'as tout à fait raison d'en parler. C'est que à l'heure actuelle, sauf si tu veux taper dans du Virpil ou du VKB, comme je le disais, qui sont du haut de gamme, t'as pas le joystick main gauche, ou t'en as très très peu. L'avantage du T16000, c'est que tu vires deux vis, tu changes les caoutchoucs de place, et boum, tu te retrouves avec un joystick gaucher. C'est ultra bien. Après, alors pied plat par rapport à la config que j'ai sur mon T16000, c'est une config que j'ai faite personnellement, donc d'autres personnes auront une config différente. Mais je rappelle que mon profil de OTAS, de T16000, est disponible directement sur le Discord. Vous pouvez le récupérer sans aucun problème. L'avantage, c'est que c'est un truc qui est
relativement ergonomique et qui est simple à modifier et qui surtout qui je trouve est une bonne base. Et cette assurance ratante, j'aurais une question à propos des boucliers. Si tu mets FR66 et palissade sur ton Gladius, qu'est-ce qui détermine le temps de réaction du rechargement des boucliers? Le jeu se base sur celui du FR66 ou celui du palissade? Celui du palissade, sinon il n'y aurait aucun intérêt à faire... non, celui du FR66 justement. Sinon il n'y aurait aucun intérêt à faire le mix. En fait, que j'explique, pour être exact. Sur chaque bouclier, tu as deux temps de reload différents. Temps de reload si le bouclier est endommagé. Et le temps de reload si le bouclier est à sec. C'est-à-dire que tant qu'il te reste au moins 1% d'une phase de bouclier, ton bouclier va se recharger comme s'il était entamé mais pas vide. Si jamais tu as une phase de bouclier qui est totalement HS, là le temps de rechargement sera plus long. Pour ce qui est du palissade, je crois que c'est 7 secondes je crois de reload, le temps de reload, ce qui est assez long. Là où pour la phase 66, c'est moitié moins de temps. Je sais plus les valeurs, mais c'est marqué sur le site Hercule au pire. Résultat, ce qui va se passer en gardant ces chiffres-là, que je ne suis pas sûr soient vrais, c'est que tu t'es pris les tirs sur les boucliers. Et donc, par exemple, le FR66, je crois qu'il se recharge à 400 par seconde. On va regarder directement, ça sera plus simple. On va regarder directement, je vais vous montrer. Plus simple comme ça. Enfin, l'éclipse. Ouais, l'éclipse, c'est large. Ouais. Hop. On va refaire le plan de Quantum tout de même. Et l'hydrogène. Réparer un peu aussi pendant qu'on y est. Alors, on va faire un point d'exclamation loadout. Point d'exclamation loadout. Très bien. Et on arrive sur mon Gladius Valiant. Bien. Donc, ici on a l'équipement de mon Gladius Valiant. Avec palissade et FR66 qui sont en haut, au milieu, pour vous. Parce que vous voyez pas vous voyez pas en fait ma souris. On clique sur Info. On voit que le pool de points de vie c'est 7920 points de vie. Régénération 171 points de vie par seconde. Délai de rechargement si le bouclier est endommagé, 5,6 secondes. Délai de rechargement si le bouclier est complètement down, 8 secondes, ce qui est très long. Maintenant, on regarde le FR66. 6120 points de vie, 306 points de vie de rechargement par seconde. Délai de rechargement si le bouclier est endommagé, 3 secondes 85. S'il est totalement down, 5 secondes 5. Ce qui veut dire que 3 secondes... Je me suis pris des tirs. Mon bouclier est endommagé, il n'est pas totalement down. Au bout de 3 secondes 85, l'ensemble de mes boucliers vont se recharger à hauteur de 306 points de vie par seconde. Puis, au bout de 5 secondes 6, ils vont se régénérer de 306 points de vie plus 171 points de vie par seconde. Pourquoi ? Parce que le palissade commencera à se régénérer à partir de 5 secondes 6. Voilà. Et s'il est down, bah, il commencera à se recharger à hauteur de 306 points de vie au bout de 5 secondes 5, puis au bout de 8 secondes, 271 plus 306. Voilà. Pas très simple. D'ailleurs, pour plus de perf, overclocker seulement le FR pour le gain de régène. C'est vrai que c'est un truc que je fais très 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 rarement, mais bon, c'est-à-dire jamais, l'overclock de générateur de bouclier. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Je crois que ça double la régène, non? Ou ça divise par deux le temps de régène, je sais plus. Je crois que ça double la régène. De toute façon, je crois que tu peux regarder les stats overclockés des composants. Vrai. Sur Hercule, tu peux mettre overclocké ou pas. Vas-y, mettez ça, bougez pas. D'abord je vais sortir du sas, hein. Hop, nous disions, tac, alors on va regarder donc le FR66 ici, et en overclock, ça change rien, ça change rien l'overclock,
Ça change rien de l'overclock. FR66. Alors, on va ranger le cutlass. Ça change rien de l'overclock. D'après le site Hercule. Ah, étrange. Bon. Ah, peut-être me prendre un truc à boire et à manger aussi. Ah, de même. Commence à... Petit atlas pour celui-là. Hi. Personne, je commence à avoir soif. Changement, tu le vois sur le vaisseau, pas sur le bouclier. D'accord. Confiance par rapport à ça. Ouais, comme je disais, moi je suis un... Je fais jamais, pour ainsi dire, de l'overclock de... De composants. Et santé, Oros. Santé. Ah, toi aussi, t'es avec l'index levé? Oui, toujours. Oh, et j'adore. Mon personnage, il lève les yeux quand il boit. Le tien aussi, je te rassure. Et une poubelle ouverte. Y'a pas de poubelle sur Port Lissard. Ah si, il est vendeur. En tout cas, mon vaisseau est équipé. Ah, mais il me reste plus que le l'Atlas à récupérer, on est bon. Propulsion, Atlas. Ouais, ça allait à 18 000. Hein. Bon, j'ai une question à la con, je vous brûle pas les yeux comme ça, ça va. Non, là, ça va. Oh, ça va. Un peu de couleur en plus, un peu d'orange flamme. Alors, juste faut que je stocke le Valiant pour pouvoir le modifier. Ça crée les stats du ship, le gain. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était les stats du bouclier. Tant pour moi. Je vais regarder. Je vais sortir le Gladius. Je vais check. D'ailleurs, quoi, ça m'amène une autre question. Quand tu prends un shoot, que le bouclier qui se prend. Quel est le bouclier qui se prend après les dégâts? Y a pas un bouclier qui va se prendre les dégâts en priorité. C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Les deux boucliers ne forment qu'un seul. Pour faire très simple. C'est quoi la différence avec le Gladius et le Valiant à part l'apparence? Les armes de série. Pareil pour le Gladius Pirate. Les armes de série et le design. Enfin, et le skin. Sinon, il n'y a absolument aucune différence. J'ai équipé mon vaisseau, mais je l'ai pas sorti. C'est mort de rire à cause de ce qu'a dit Overclock, quoi. Ouais, par rapport à mon armure, que si jamais tu m'allonges le 20 mètres, ça fait un Gundam. Putain, j'ai oublié ce détail, on peut ouvrir le Zephino. Ouais, tu peux ouvrir le panneau des composants sur le Gladius maintenant. Ça a été intégré, ça. Bon, bah, nickel. En fait, le problème, en fait, par rapport à... C'était qui me posait la question par rapport au Mirage? Tac, regarde. Mirage, ça sera tant qui me disait donc. Donc, je lis quand même son commentaire. Donc, Darko, ça m'amène à une autre question. Quand tu prends un shoot, quel est le bouclier qui se prend en premier les dégâts? Tu sais ce qui détermine? Parce que si c'est le bouclier qui a le plus de PV, qui prend le dégât en premier automatiquement, le couple Mirage slash Palissade me paraît plus OP, c'est la recharge instante. Oui, mais non. Parce que le truc, c'est que tu prends jamais un tir. Tu en prends généralement plusieurs à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même un peu le point de vie qui est assez élevé. Sauf quand tu veux vraiment la jouer full fufu. Le problème du Mirage, c'est qu'il a très 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 peu de points de vie. Et je sais même plus s'il se recharge en instant. Non, il se recharge pas en instant. Et juste que le Mirage, bah, comme moi ce que je fais, c'est que je le combine avec des Concordes.
qui sont grossièrement des FR-66, mais version civile. Qui demandent une moins grosse demande énergétique, qui demandent beaucoup moins de choses qu'un FR-66. Ouais, mais qui a comme seul défaut de mettre plus de temps à se recharger quand t'es dans un full vide. Ah, je suis sûr que je suis là. Ouais. Bon, on va faire un pit stop là-bas. FR-66 avec palissade, 477 points de vie par seconde. Et le FR-66 overclocké, 645 HP par seconde. D'accord. Ah, t'as... Excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais... T'avais fini le spool, excuse-moi. J'avais point vu. Ça marche, Pipla. Bon après-midi. Ah, bonne soirée plutôt. Là, ça commence le soir. Oui. Mais faudrait que je fasse une vidéo qui explique en fait tous les équipements aujourd'hui, avec notamment la nomenclature à suivre par rapport au... au lanceur de missiles, ce genre de choses. Alors, on va regarder. Ah, tu gagnes quand même pratiquement plus de 150 de points de vie par seconde pour la régénération, en effet, avec la FR-66. C'est pas rien. Pour juste 5000 de signatures énergétiques en plus. Hein. Palissade, c'est ouais, pareil. Si t'es sur un chip de combat, tu t'en fiches un petit peu tant que c'est pas un chip fufu. C'est sûr. Et cette assomme attaque. Et si vous voulez, pour les gens qui sont intéressés pour par exemple un sabre furtif, je peux partager mon loadout. Hein. Il marche bien. Après, la furtivité n'est pas nécessaire en ce moment, mais c'est toujours marrant de se dire que le mec il te voit que très proche. Bah, l'utilité est restreinte aujourd'hui. Parce qu'il n'y a, voilà, a pas de mission qui nécessite d'avoir de la furtivité. Et cette assaut Beyrouth. Si, les évictes les galocupentes. Commencer à te faire tirer dessus à 2,7 km, c'est quand même un peu plus confort que de se faire tirer dessus à 4 km. Ouais. Généralement, si tu vas assez vite, les mecs ils ont pas le temps de t'aligner quoi. Oh, c'est surtout que moi je suis habitué à... Je trouve que tu mets moins de temps à trouver une zone safe parce que tu es plus proche, donc tu peux plus facilement voir le terrain avant de te faire allumer. Bon, donc c'est la mission de Hearthstone, et puis on est pas mal là. Et donc ouais, non, pas de Jericho toujours. Enfin, pas de Xenothreat. Est-ce qu'avec son bouclier et tout activé en arrivant avec des mirages, ne serait pas un moyen de one-shot en mode sniper? Non. Parce que le mec en face, il a des boucliers. Et le temps que tu as activé les boucliers, bah le mec il sera peut-être déjà retourné et t'a tiré dessus. Donc compliqué. Surtout que sans oublier que réactiver un bouclier, ça augmente ta signature vu comme tu recharges tes boucliers. Ouais. En fait, le truc c'est pour le gameplay furtif pour l'instant. Essayez pas de jouer le gameplay furtif. Parce que oui, tout ce qui est signature commence à être intégré, etc. C'est cool. Mais tout ce qui est l'autre face en fait du gameplay furtif, à savoir les radars, c'est pas encore intégré. Donc bien entendu que pour l'instant CLG s'en fout complètement, ils s'en beurrent à l'arrêt, ils sont pas penchés dessus. Donc ils commencent à intégrer ces mécaniques là et puis basta. Justement tu tires et c'est l'adversaire réplique, t'allumes la protection, mais tes boucliers seront pas instant chargés. C'est-à-dire qu'on a vu ça gagner un truc genre 400 points de vie par seconde. Les armes que j'ai sur le Gladius, en DPS, je suis à 1300. Juste avec le Gladius. Donc grosso modo, le gars, tu commences à lui mettre tes boucliers parce que bah tu commences à tirer, le mec se retourne, te tire dessus, tes boucliers n'ont pas le temps de charger, t'exploses.
Surtout que le Mirage, il est pas ouf niveau résistance de base, hein, franchement. Clairement. Pour ça que je l'ai couplé avec deux Concorde. Mais le truc, surtout, en fait, là où ça peut être intéressant, par contre, God of Chaos, clairement, c'est pour les vaisseaux type Eclipse. L'Eclipse, t'arrives, tu t'approches d'un Idris à 3 km, il te voit pas. Pourquoi ? Parce que toutes tes armes sont désactivées, à part tes torpilles, tes boucliers sont désactivés, parce que comme ça t'as pas de signature électromagnétique, de signature électromagnétique ou thermique en plus, ton générateur d'énergie est au minimum, et toute ta consommation est au minimum. Résultat, l'Eclipse, pour le repérer, il faudrait que tu sois à, un kilomètre et demi. Mais tu t'en fous, tu balances tes torpilles à 2,5 km minimum, donc tu balances ta torpille, et l'Idris c'est pas d'où ça vient. Voilà. Et parce que tu fais un engagement longue portée. Et ça marche évidemment que face à des PNJ, parce que les joueurs ils vont voir une alerte missile qui arrive, ils vont balancer des flares et puis basta. Et je rappelle, c'est en l'état. Une torpille, c'est facilement repérable. Dès que t'es verrouillé, dès que t'es verrouillé par un vaisseau, t'as une alerte comme quoi t'es verrouillé. Vous voyez au niveau du centre de mon vaisseau là, il y a un petit radar et en dessous il y a plein de petites indications. Power hit, power low, weapon hit, thruster hit, shield down, proximity warning, quantum fail, radar lock, missile warning, cool fail. Si jamais il y a quelqu'un qui me verrouille, juste verrouillage radar, je vais avoir l'indicateur radar lock avec une petite alerte audio qui va popper. Si jamais il commence à me verrouiller missile, je vais avoir le petit truc avec marqué missile warning qui apparaît. Et si jamais le missile est parti, ou la torpille, hein, c'est pareil, c'est la même connerie, je vais avoir une alerte avec le type de missile qui m'arrive dessus, la distance à laquelle il arrive, et si j'ai réussi à larguer le verrouillage ou pas. Donc c'est super simple à esquiver. Juste que je rappelle que les PNJ voient le monde en 7 FPS. Donc, niveau temps de réaction, c'est pas ça. Le problème c'est que... En joueur, avant qu'il refonde le gameplay de torpille, missile entre points 10, une éclipse qui torpille un chasseur immobile, il n'y avait aucune alerte. Du coup, les bounties étaient simples. Il n'y avait pas d'alerte. Il me semblait que si. Ouais, pour les torpilles, il me semblait que si. Ouais, mais non, pas missile, torpille. Ah. Il me semblait qu'il y avait des alertes torpilles, mais je suis pas sûr. En même temps, moi je jouais pas torpille donc. Et j'ai jamais affronté quelqu'un qui jouait torpille à ce moment-là, donc. Et surtout, une torpille, hein, ça s'affiche largement sur radar. C'est en mode « Coucou, je suis là !» Y'a pas de torpille furtive, pour le moment. Bon, écoute, je suis en position pour sauter sur Aston. Donc je t'attends. En train de préparer mon saut. On est dans le même quantum. On est un peu loin, mais on est dans le même quantum. Je te vois. Je te cherche, je te vois. Je suis à ta gauche, normalement, vers l'avant. Parce que pour moi, t'es à ma droite, vers l'arrière. Je te vois pas. Bon, moi je te vois. Dommage. Ah, si, c'est bon. Sam, t'avais l'impression d'avoir percuté un astéroïde invisible à l'arrêt, du coup les gens de Kramstad devenaient parano. Faut pas avoir le Kramstad. Reviens le Kramstad. Faites comme moi, si vous avez un niveau de Kramstad, rentrez dans un bunker, tuez tout le monde, chopez 4 niveaux de Kramstad. Et effacer l'épreuve. Tout va bien. Testé et approuvé. Ouais. On l'a fait hier, c'est très très bien passé. Sauf pour les gardes qui étaient présents, mais bon, ils sont plus là pour se plaindre. Moi j'ai dû le faire quand il y avait un cadavre de pilote de
peu Kenir qui avait glitché dans ma soute de Ketlas et que le membre de la sécurité a dit de transporter des gens pas très recommandables. Évidemment. Oui. J'ai une mission de chasse à la prime que je dois faire. Une évaluation de chasse à la prime de Hearthstone. Hearthstone. Ouais. Bah moi je vais faire la mienne, ça tombe bien. Eh bah vas-y, on s'y retrouve. Il m'a attendu poliment le monsieur. Chasse quoi avec ton lolo de canon, ça fait le taf sur les cibles rapides ou tu profites des missiles? Dans l'idée, techniquement, ça fait le taf sur plus ou moins n'importe quoi si tu sais quand tirer. Alors que les triples tarantulas, tu peux one-shot un M50, tu peux two-shot un Gladius, tu peux two-shot un Buccaneer, etc. Tu peux même, je pense, two-shot un Hornet ou three-shot un Hornet. Pas plus. Le problème, c'est que avec les D5 qu'il y a actuellement sur le jeu, bah tu tires, tu fais bah... Alors j'ai vu que mes tirs sont passés à travers la cible et continuent derrière lui. Bon, on va refaire, hein. Et puis ça refait la même. 15 fois. Et donc tu passes 20 minutes à essayer de flinguer un mec. Bon. La torpille, de base, c'est un abus de langage dans l'espace, ça reste des missiles, car une torpille est censée se déplacer dans l'eau. Baf. Le truc, c'est qu'il est censé y avoir une différence entre torpille et missile au niveau du gameplay. Censé, je rappelle. C'est-à-dire que les missiles explosent au contact des boucliers, là où les torpilles passent les boucliers et explosent après. Mais ça, c'est pas encore intégré. Et CIG a dit, bon bah voilà, à partir de la taille 5, on parle plus de missiles mais de torpilles. Bon bah, ok. Alors, question qui tue, c'est, est-ce qu'ils ont enfin corrigé le problème de débris invisibles? J'ai l'impression que oui, hein. Pas l'air de chelou par rapport aux débris invisibles. Plutôt pas mal. Alors ça, comme je disais, au Beyrouth, c'est dans la théorie. Hein. C'est des trucs que CIG avait annoncé il y a un petit moment, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre. Gardez ça en tête. Hein. J'ai Troy Sullivan à flinguer. Qui est pas loin de toi, j'ai l'impression. Ah bah. Et pour ta mission d'évaluation? Ouais, une autre mission de chasse à la prime, ouais. Pour faire des LRT? Je saurais pas dire. Pas fait gaffe à l'intitulé. Parce que moi je peux débloquer les LRT si je veux, mais j'ai la flemme de retourner à Crusader si c'est à Crusader. Non, là pour le coup, là c'est autour de Hearthstone. Pour moi. Du coup, je vais t'attendre parce que j'ai une VRT, enfin VHRT. VHRT carrément. Non, VLRT, pardon. Je m'en. Bon. Après, je rappelle, il y aura différents types de torpilles. Il y aura notamment les torpilles IEM. Ça, c'est prévu. C'est-à-dire que vous allez balancer une torpille taille 9 sur un mec, sur un Eris par exemple. Et l'impulsion électromagnétique va faire chuter l'énergie dans le vaisseau. Va faire surcharger plus ou moins tous les steps du vaisseau. Donc les boucliers vont tomber, il va plus pouvoir se propulser, etc. Quoi. Ça, c'est... Encore une fois, c'est des trucs qui ont été annoncés par CIG et on ne sait pas si ça va réellement être intégré. Quoi. On verra ça avec le temps. Allez, spawn direct maintenant. Ah, c'est agréable ça. Ouais, plus besoin d'attendre que le mec il arrive. Vous voyez là je suis verrouillé radar, donc j'ai l'indication comme quoi je suis radar lock. Pourtant je vois pas la cible. C'est une éclipse, un éclipse plutôt.
L'éclipse a équipé le bouclier Mirage. Il a déjà plus de bouclier, il s'est pris 3 tirs. Donc les boucliers Mirage, c'est vraiment vraiment de la merde quoi. J'ai l'impression qu'ils ont réparé une partie des problèmes de trous dans les boucliers. Hein. Ou alors c'est juste qu'il y a moins de D5. Peut-être. Peut-être aussi lié au fait que, vu qu'on est sur le PTE, il y a moins de monde, et donc en effet les D5 sont moins présentes. Merci. Donc t'avais une mission à me proposer ça? Ouais, je viens de débloquer les... d'ailleurs les... J'ai les LRT si tu veux. Plutôt qu'une VLRT. Ah, bah moi je vais les débloquer, c'est tout mieux. Donc je vais virer... Je vais virer mon voleur de mandarine. Voleur de mandarine? Ouais, virer le risque, le mec il... Ah oui. Bah donc je te partage la LRT? Vas-y. Allez, c'est parti. Le petit Jimmy. Jimmy. Le petit Jimmy ne retrouvera pas sa maman ce soir. Et non. Ah, t'es déjà sur zone toi. Juste à côté. Ou juste là, sur l'OM. Je suis en train d'arriver. Bah tiens, j'ai pas de... Pas de radar. On va éteindre le vaisseau, écoute. Voilà. Passer par l'OM6, et puis après je fais le reste en affaire burner. Moi j'ai 600 km à faire, donc peut-être pas. Moi j'ai 100 bornes à faire, ça va aller assez vite. Ou au moins que je chose sur l'OM6. Attends, j'arrive. Voilà. Oui. Il a une accélération ce vaisseau, ça me tue à chaque fois. Alors Gale Electronics c'est autre chose, hein, les gars. Entre par rapport aux IM, c'est différent. Gale Electronics c'est en effet tout ce qui est piratage. Et ça pour l'instant on a très très peu d'informations. Juste à espérer que ce sera un peu plus complexe que le piratage qu'on a dans Cyberpunk. Avec son mini-jeu à la con que tu dois faire non-stop à chaque fois que tu pirates un truc. Qui est relou as fuck. Là, overheat ce vaisseau, ça me tue à chaque fois. Bah en même temps, là je viens de claquer l'afterburner pour monter à 1 km par seconde. J'ai même pas fait gaffe au nombre de jets que je me suis pris dans la gueule. Mais à mon avis, ça va être assez violent. Donc tant mal que les propulseurs aient un petit peu surchauffé. Tout petit peu. C'est-à-dire que là, je suis à 5G par exemple. Hein. C'est rien que ça. Je suis monté à 5,5G. Bonjour Jimmy, t'es là. Je suis même pas sûr de le voir le petit Jimmy. Roi Hélène, putain la vache. J'ai eu au moins le temps de le lock. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Bon, bah voilà. Hein. Alors, on va faire le test rapidement. Donc je lève le limiteur de vitesse. On va voir combien de G je vais prendre à la gueule avec l'accélération. Avec le boost.
17G pratiquement. 17G. C'est-à-dire que pour une personne qui fait 100 kg, c'est un petit peu comme si je faisais une tonne 7. J'arrondis, hein. 16G7, c'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas comment est-ce que c'est le record du monde de G qui a été appliqué à une personne. Mais très sincèrement, je pense que 17G, normalement, ton personnage il meurt. J'ai une autre LRT si tu veux, je te la partage. Vas-y. 17G, on peut survivre à ça? Je ne pense pas, non. Ça me paraît compromis. Ah, 280 km. T'en vas? Ouais. 17,3G, j'ai réussi à monter là. Ouais, je sais, je surchauffe un peu. 2,5. Il est vraiment agréable ce vaisseau. Ah, c'est sûr que ça me change du Cutlass. Niveau maniabilité, c'est pas la même, c'est sûr. Ah là oui. Je suis à chaque fois bluffé par rapport à la vitesse de roulis de ce bestiau. Et même la reprise. Quand tu fais un petit demi-tour pour t'arrêter et que tu fous un petit coup de boost, le vaisseau s'arrête en 200 mètres. Tu fais ok. J'allais juste à 1,2 km par seconde, hein, mais s'arrêter en 200 mètres, c'est pas mal. John Stapp détient le record expérimental de résistance à une force G, accélération d'inertie, à 46,2 G pendant une durée de 0,9 secondes en position sur le dos. Comment il a survécu à ça? 46,2 G, mon dieu. Après, bon voilà, pendant 0,9 secondes. Mais quand même, une seconde, ça va être super long à 46 G. T'as déjà testé le héros pour connaître ton impression sur sa maneuverabilité? J'ai déjà testé. La différence de manœuvrabilité est sensible, mais pas significative, je trouve. Un God of Chaos qui dit « J'ai beau avoir plusieurs autres chasseurs, c'est vraiment le Gladius que je kiffe le plus, il est vraiment cool. » Bah c'est ce que je dis, enfin, la raison pour laquelle je le trouve aussi bien aussi, c'est, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure en fait, sur la polyvalence. Alors, c'est-à-dire... Derko, c'est un chasseur, il n'est pas polyvalent. Oui, je suis d'accord avec vous, il n'est pas polyvalent du tout, c'est un chasseur pur et dur. Mais, dans le rôle, les rôles dans lesquels il peut rentrer au niveau combat, il est polyvalent. C'est-à-dire qu'il peut faire de l'escorte, il peut faire du dogfight, il peut faire de l'attaque éclair, etc. Il est très bien. Il peut même faire le rôle d'intercepteur. Donc bon. C'est pour ça que j'aime bien. Il est polyvalent. Je suis toujours à 30 bandes derrière toi, hein. J'arrive. Ok. Mais il ralentit pas pour moi, hein. Moi j'avais pas ralenti. Ouais, moi pour je toi, parce que je suis à 30 bandes de la cible. T'es en Gladius, hein. T'as besoin de 15 km pour t'arrêter. Ouais, mais la cible spawn beaucoup plus proche que... Que son code marqueur actuel. Ouais. J'arrive à pleine balle dessus. Je vais le défoncer. C'est un chasseur standard, quoi. Exactement. Ah, non, ça se doit. Ouais. Un Gladius.
il a les M4. C'est... T'es sûr que c'était un M4 et, que c'était les M4 et pas les, des Omnisky? Parce que ça se trouve c'était un Valiant avec l'équipement de série. C'était un Gladius. Mais le bruit c'était les M4, les canons qui surchauffent en deux tirs là. Ouais. Pourtant ils étaient tellement bien passé un temps. J'ai encore une alerté si tu veux. Vas-y. Voilà, attends. Mercenary. D'ailleurs, on va se faire un petit Evict Illegal Occupant. On va terminer ça par une petite mission FPS. Ah oui. Ah ouais, il y a un vendeur de journaux. Attends, il me dit que j'ai des contacts, mais je les vois pas. Il est sur moi. Ah, ça y est. Un cutlass. Ah, il était un peu loin pour moi, ouais. J'arrive. Je viens de te filer un coup de main, même si t'en as pas besoin normalement, mais bon. Normalement, il va pas tarder à mourir. Oh. Oui. Allez, toi, tu le colles au cul en fait. A ton avis, pourquoi je joue les attritions d'habitude? Pas faux. On a failli se rentrer dedans. Mais non. C'est dans ta tête. Bon, je... Hurston, s'il te plaît, merci. Voilà. Les vaisseaux comme le Scatwell et le Santokai, leur moteur rotatif ça vaut quoi? Ça fait que t'as une meilleure maîtrise pour ce qui est de strafe, mais c'est tout. Le problème en fait c'est que, étant donné que t'as la position qui est verticale, t'as une hitbox qui est tellement importante quand tu réussis à te retrouver derrière le mec ou devant le mec que l'intérêt est à ses limites. On raison les doigts. Ouais. Ça a l'air de passer, hein. Ouais. Ce sera différent avec le Santokai, je pense. Bah déjà, le truc c'est le Cartwall, même s'il a le même équipement offensif que le Talon classique, pas le Shrike, hein, le Talon classique, il a deux armes taille 4, c'est pas un Dogfighter. C'est un vaisseau de reconnaissance, normalement à la base. C'est un vaisseau d'avant-garde. Mais ouais, je suis pas fan en fait du design général avec le, comme je disais, l'aspect vertical. Ça marche à voir, Clark. Bah je regarderai à la limite, parce que c'est vrai que 46G ça m'intéresse là pour le coup. Il devait pas avoir une bonne gueule en sortant de là par contre. Il est ressorti, c'était un plop. Est-ce qu'on se fait les tourelles? Si on va se faire les tourelles. Ouais, on va se faire les tourelles. Par contre, je vais me mettre à la verticale histoire que ça touche. Pas sûr que ça touche, hein, dans tous les cas. Ouais, j'ai l'impression que il y a un bug. Ah, j'ai pété une tourelle. Cool, la deuxième. Ouais. Ah, pas parfait. Ah, elle est morte, c'est bon. Ouais, je vais l'exploser. Bien.
Alors, faut pas que j'oublie, les trains d'atterrissage sur ce vaisseau sont bas. Ouais. Bah, c'est pas un vaisseau qui est censé se poser dans la verte, hein. C'est un vaisseau. N'hésite pas à bien relever le nez aussi pour éviter de péter ton arme de nez, c'est. Jamais. Ouais. Donc on est tous les deux équipés en mode subtilité, c'est ça, Ross ? Ouais, ouais. Ouais, on a un petit total de 840 balles normalement. Si... 860, plus les 120 qu'on a au total dans le chargeur de chaque. 860 donc, Non, enfin 480 chacun. Donc 860, non, 960 plutôt, excuse-moi. Ah, ah non, mais moi j'ai 760 balles, enfin 720 balles sur le ah côté. Ah oui, parce que toi t'es en medium, toi, c'est pour ça. Oui. Moi je suis en léger. Est-ce que j'ai pas un petit viseur à lui mettre ? Non. Bah moi aussi j'ai mis un viseur quand même, j'ai mis un holo. Donc c'est pas le plus précis, mais bon, pour une arme qui est aussi précise que ça. Aussi peu précise que ça. Là, un petit enfin. Pointeur laser. J'ai pas de pointeur laser moi, j'y vais vanilla. Bonjour, c'est pour un dépôt de plomb. Mais le véritable défaut en fait que je trouve à cette arme. C'est la cadence de tir très élevée. Ouais, faut un peu compenser comme si on était sur BF3. Hein. Moi j'ai vraiment ce feeling là. Ouais, c'est une MG42. Enfin, MG. Non. Merde, c'était laquelle là ? MG36 plutôt. Ouais. Oui, il est où le dernier survivant là ? Là. J'utilise la moitié de mon chargeur. Plus ou moins parce que j'ai pas pu trop tirer. Ah, elle est plaisante quand même à utiliser. Ah, je suis pas fan de sa cadence de tir. Franchement, j'aurais foutu une cadence de tir une fois et demie plus lente pour moins de recul, ça aurait été plus intéressant. Je. Pour le coup, je peux pas être vraiment. Enfin, je suis pas. Je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup. Mais on va pas se plaindre qu'on a une véritable. Batteuse de suppression. On peut faire du kill. Ouais. Mais enfin, je sais pas, j'aurais foutu un RPM à 600 coups par minute, ça aurait été suffisant. Il y a toujours mieux que la F-55 qui je la trouve vraiment immaniable. C'est il en faut pour tous les goûts. Oui. En vrai, la mitrailleuse qui me plaît le plus sur son utilité, ça reste la Demeco, mais c'est du plasma. Ouais, qu'est-ce qu'il vole ? Je veux dire qu'il y a un bug dans Star Citizen ? Non, incroyable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas possible. Je te propose là, vu qu'il nous reste quoi, 20 minutes, même pas ? 20 minutes. On se fasse 10 minutes de vol en direction de Stanton à l'horizon. Et que après on décolle direction HURL. Vas-y. Que là, on va dis-moi à quelle vitesse tu te mets. Ou je sens qu'on va avoir quelque chose de très joli. Attends, faut que je. Faut que j'éteigne mon vaisseau, j'ai toujours pas de. D'accord. De mini-up. On va se mettre à 200 mètres par seconde parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Je suis un peu à avoir la mini-up. Je confirme, là, on va avoir quelque chose de très joli. Alors 200 mètres de seconde, je regarde où est-ce que c'est. C'est au niveau de la ligne rouge. Ah ouais. Je suis à 198 mètres par seconde. Oh, 93, tu vois. Je sais pas où est-ce que t'es là. T'es derrière moi, ok. Je me rapproche un petit peu du sol parce que là on a une magnifique plaine. Voilà. Stanton qui est couvert légèrement par les nuages. Oh là là, c'est beau. Je suis en train de me rapprocher légèrement de toi.
Ouais, je me rapproche un peu plus du sol parce que mine de rien, je veux quand même avoir un joli truc. Ce sera la miniature pour le replay de demain. Je suis à ta gauche, bon un peu à 400 mètres de toi, mais à ta gauche. Ouais, je te vois en flou, mais je te vois. Je vais... Hop. Je me suis mis à 208 mètres pour te rattraper petit à petit. Si jamais on peut essayer de se faire un super screen. J'avoue que ce serait bien. Non, t'es 10 mètres par seconde plus rapide que moi. Ah, c'est une zone vraiment très dégagée ici. C'est bon. Je suis à 200 mètres de toi. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais, parce que le Gladius a tendance un petit peu à remonter. Ouais. Ah, moi, étant donné que je suis juste derrière toi, j'ai une super vue avec le Stanton en plus. N'hésite pas à prendre des screens. Hein. Mais c'est ça que je fais, t'inquiète pas. L'habitude de ça. Juste accélérer un peu parce que je te perds un petit peu. Voilà. Ouais, le Gladius me remonte méchamment en fait. Putain, la vache. Ça change du cutlass qui baisse. Oui, c'est pas faux. Deux Gladius qui volent l'un à côté de l'autre dans le Stanton levant au-dessus des Plunderstone. Mon dieu, et puis cette lumière, regarde-moi ça! Bordel! Le tout beauté! Il ne manque plus que la musique de Star Wars quand il recherche Luke sur Hoth. Non, il ne manque plus que la musique des Chevaliers du Ciel, plutôt. You're the conversation, I'm the game. Attention, ça monte. Hein. Ouais, je sais. Mais là, je vais passer juste au-dessus. Il y a quand même quelques petites D5 encore. Trop beau. Bon. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on mette les gaz, on remonte, et puis direction HURL1. Avec joie. C'était tellement classe. Petit moment à la cool comme ça, mais très très classe. Faudrait que je me prenne un moment de faire ça un peu sur Microtech, parce que je trouve ça magnifique. Ah, Microtech, c'est... en termes de décor, c'est superbe. Hein. Surtout avec la 3.12, je trouve qu'ils ont fait un super boulot sur la planète. Grave. Et surtout que le Gladiator que j'adore piloter. Alors, Menérez, pour le coup, non. Berserkir, elle est quand même plus subtile quand il trash talk Aegis. Et il trash talk davantage l'Avenger que Aegis de façon générale. Je commence à sauter sur HURL. Moi, je profite de l'ombre des nuages à cause de Stanton Levant. Ah, mais regardez-moi ça! Et encore, dites-vous, pour l'instant, il n'y a pas encore la nuage volumétrique, c'est juste de la 2D. Hein.
Mais déjà, ça donne tellement cool. Trop agréable. Je vais regarder un truc pour rire. Alors, dossier, screenshot. T'en as pris combien? 253. Voilà. Merde. Alors, tac tac. Screenshot. Ah, tu vois, j'ai des nuages. Ah, j'avoue, ça va être cool là pour le coup. 7, 8. 8 d'un coup. Ah, mais en plus, il y a mes screenshots du live qui sont copiés aussi. Quand tu vas voler dedans, oh là là. Alors, ne vous mettez pas trop de hype par rapport à ça, les gars. C'est con, hein, mais je rappelle, il y a un mois, si IG mettait la 3.12 en ligne, avec les nébuleuses, on était tous en mode « Oh putain, c'est trop bien, c'est trop cool !» Aujourd'hui, les nébuleuses, on est en mode « Ouais. » Moi, je m'en remets toujours pas. C'est à chaque fois que je rentre dans une nébuleuse, je me dis « Ah putain, quelle arnaque ce jeu !» Grave. Dans le sens où... Bah, c'est beau, putain, et c'est bien optimisé. C'est pas parfait. Le boulot qu'il y a derrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est on est en plein dans ce que j'expliquais dans la vidéo sur l'effet waouh. C'est que bah, pour quelqu'un qui joue régulièrement au jeu, au bout d'un moment, juste vous vous habituez à ce qui est visible. Jamais content. Ah mais c'est vrai, Pernel, quand tu regardes, tu dis ouais, la nébuleuse, elles sont cool, etc. Et puis au début, t'arrives, tu prends une claque phénoménale en disant putain, elle est jolie cette nébuleuse. Puis alors, on arrive sur la nébuleuse, c'est... Ouais, on a l'habitude maintenant, on connaît. On est devenus des putains de blasés de la vie, en fait. Ce qu'on veut, c'est des rivières. Non mais franchement, ça c'est... On le dira jamais assez, mais le jeu est beau. Juste ça, avec la lumière qui filtre à travers la nébuleuse là, enfin, nuage de gaz, et le nuage de gaz qui réémet la lumière en bas, avec des zones un peu plus sombres, c'est... Non, franchement, c'est propre. C'est propre. Le jour où tu verras des rivières dans l'espace, fais-moi signe, Horos, j'avoue. Non, mais je parlais des rivières sur les planètes. Oui, genre sur Microtech, tout ça. Sur l'IAT. Exactement. Je suis pas blasé, je suis content quand je rentre dans l'alpha. Mais alors, moi aussi, je suis content, mais le truc, c'est que je suis moins émerveillé, on va dire. C'est autant... Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai retéléchargé Horizon Zero Dawn, j'ai relancé. C'était un petit moment que je l'avais pas lancé, depuis que j'avais fait Cyberpunk. Et putain, tu passes Cyberpunk à Horizon Zero Dawn, tu fais putain, c'est pas la même quand même. Horizon Zero Dawn est quand même vachement plus joli. Et tu dis putain, c'est triste pour Cyberpunk. Et très sincèrement, Horizon Zero Dawn est même plus beau sur pas mal d'aspects que Star Citizen. Hein. En même temps, c'est un jeu qui a été pensé pour être fait sur une seule console à la base et qui a été hyper optimisé pour cette console et qui ont eu je sais pas combien d'années pour juste optimiser le jeu sur une autre plateforme. Donc, c'est vrai. C'est pas la même chose. Le truc qu'on se dit, c'est pas que le jeu est beau, mais c'est que les autres jeux sont moches. J'aurais pas mieux dit au Beyrouth là pour le coup, c'est... Ah, moi ce que je trouve surtout que je trouve que Star Citizen a une âme sur son sur sa DA. Ah, il a une direction artistique qui est bien reconnaissable, c'est sûr. Comme Hollow Knight a une âme. Parce que bon, les derniers Call of Duty sont beaux, hein, ils sont même très beaux, très détaillés, mais... Mais ils ont pas d'âme. Bah c'est un petit peu le problème que j'ai également avec Cyberpunk, je trouve qu'il manque d'âme. C'est enfin c'est... Voilà. Aux œuvres de la beauté, oui et non. Le truc, c'est la beauté, ça peut passer par plusieurs trucs, Nitnerolf. Pour reprendre ce que disait Horos à l'instant, tu prends Hollow Knight, le jeu est beau.
Pourtant, les graphismes, tu fais, ouais, c'est du dessin. Oui, mais le jeu est beau, parce que la direction artistique est belle. Ça passe également par la musique, etc. Enfin, tu regardes, par exemple, Bioshock. Bioshock, quand j'avais refait Infinite, le moment au tout début où tu rentres dans le phare et t'as une capsule à la Jules Verne qui t'envoie au-dessus du nuage et que t'as le nuage qui se dissipe, enfin que tu dépasses les nuages et que tu vois Columbia qui se met devant toi, rien que d'y penser, j'en ai des frissons, j'ai les poils qui se dressent sur le bras. Hein. Parce que c'est magnifique. Pareil que pour Bioshock premier du nom, quand tu prends la nacelle qui t'amène au niveau de Rapture, quand il y a le projecteur qui se lève et qui te révèle la ville engloutie de Rapture, avec la musique au violon, tout ça, magnifique. Pourtant, les graphismes aujourd'hui sont super vieillissants, mais il n'empêche que les jeux sont beaux. En fait, c'est ça, Star Citizen, au niveau de la direction artistique, tu sens que c'est chiadé. Le meilleur exemple que je peux aussi donner, c'est Paper Please. Le jeu, objectivement, n'est pas beau, hein. C'est du pixel art un peu grossier, manque de couleurs et tout. Pourtant, la DA fait que bah, tu ressens le côté très sombre, la dictature, le côté oppressant, rien qu'avec le style graphique. C'est justement ça qu'il faut différencier entre le graphisme et la direction artistique. Il y a l'interview justement qui dit c'est ce que je voulais dire en fait, bordel. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est pas que les graphismes. Mais le truc, c'est ce que je trouve qui est dingue avec Horizon Zero Dawn, c'est qu'il est beau au niveau direction artistique et surtout au niveau graphisme en lui-même. Les graphismes sont très très fins. Ça marche about, bon appétit. Et c'était sur Kalim. La beauté, c'est subjectif. Oui. C'est sûr. Mais bon. Ouais. Donc bon, Horus, je vais me déconnecter du vocal pour modifier les paramètres de stream, tout ça, par rapport à Warship, et puis après je vais certainement être sur le chat à te regarder du coin de l'œil en même temps que je ferme sur côté sur je sais quel jeu. Ça marche. Bah écoute, Russ, bah je te dis à très vite et je te fais des bisous. Allez, à la prochaine. Tchou. Tchou. Donc ouais, nous on va faire une petite pause l'espace de 5 minutes à tout casser, hein. Oui, on est d'accord, Horizon Zero Dawn est assez fin techniquement parlant. Je l'ai relancé uniquement pour pouvoir me paumer en fait dans le Montana de version Horizon Zero Dawn parce qu'il est vraiment une tuerie. Donc oui, on va faire une petite pause 5 minutes à tout casser, histoire de que je puisse paramétrer le stream pour Warship. Et on va avoir la place pour le sel. Essayer de ne pas m'énerver, j'ai bien, je vais essayer de ne pas m'énerver. Je ne promets rien, ça va être très compliqué. Je rappelle que le replay de ce stream sera disponible demain matin à 8h du matin sur la chaîne d'Erko Replay et que le lien est sous le stream, ça ne change pas. Zéphino, on parlera de ça tout à l'heure quand je serai sur Warship. Moi je vous retrouve dans 5 minutes pour la suite du stream sur World of Warships, demain pour The Witcher et vendredi pour un autre stream sur Star Citizen. Voilà, voilà. Bref. J'espère en tout cas que ce petit stream vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Twitch, YouTube. Tous les liens importants sont sous le stream et dans la description de la vidéo pour ceux qui vont s'en replay sur YouTube. Et c'était pareil, jetez un petit coup d'œil, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.